Allez, mes chers collègues, mesdames et messieurs, chers collègues, si vous voulez bien reprendre place. Est-ce que tout le monde a retrouvé son voisin ou sa voisine? Je ne vais pas faire comme dans les cartes scolaires, mais... C'est la rentrée poétique du théâtre. C'est pas mal, son. Allez, pour revenir dans ce sujet du conseil municipal, et comme je sais que certains et certaines d'entre vous vont être amenés à quitter cette séance, parce que vous l'avez vu, il y a des pouvoirs à partir de 17h, et pour reprendre nos travaux, je voudrais... m'exprimer sur deux personnes qui se situent derrière moi, puisque Madame Lucienne Rosnaro me disait un instant que ça fait 39 ans qu'elle suit les conseils municipaux. 39 ans où elle entend beaucoup de choses, où elle suit les travaux, et je ne connais pas vos dons littéraires, mais peut-être allez-vous pouvoir écrire un livre, puisque vous êtes celle notamment qui produisait le PV. Et pour ma part, je connais Madame depuis un petit bout de temps, et de voir, il y a aujourd'hui l'enregistrement, mais régulièrement vous prenez en sténo pour vous garantir des propos des uns et des autres. Et donc je vous demanderai une chose, c'est de l'applaudir et de lui souhaiter surtout une très belle retraite. Merci à vous. Et puis là, vous le savez aussi, Michel Combel qui va être amené à nous quitter, puisque c'est votre dernier conseil municipal. Celui-ci, c'est le vrai. Alors, j'exprimais tout à l'heure ce que m'avait exprimé Madame la préfète et sous-préfète concernant la qualité de notre service, et notamment de tous les services, mais particulièrement celui que vous avez dirigé et géré. Donc, Michel, là aussi, bonne retraite, bien méritée, bon vent, et puis... vous serez toujours la bienvenue lorsque vous reviendrez nous voir en qualité de touriste, puisque je sais que vous revenez à votre source natale. Et encore une fois, merci à vous. Alors, on repart sur nos délibérations. Je le précisais peut-être à certains d'entre vous, j'envisage certaines délibérations, ce que je qualifierais des délibérations techniques, j'aime pas le mot petite, peuvent être parfois votées en bloc. J'aurais tendance à accélérer. S'il y a la moindre question, la moindre opposition, vous n'hésitez pas à me le dire. On prendra le temps nécessaire, bien entendu. Mais il y a des sujets, je crois, où nous pourrons accélérer. Et puis, celles et ceux où vous voudrez intervenir, bien évidemment, vous le ferez. Néanmoins, il y a... à mes yeux, trois délibérations qui méritent de façon posée de prendre le temps. C'est la délibération numéro 13, 14 et la délibération numéro 15. Puis après, nous reviendrons, non pas sur des délibérations plus petites, mais parfois plus techniques à nos yeux, et ce qui pourra vous amener aussi, bien évidemment, à débat. Alors, je vais passer la parole tout de suite à Madame Bénizet, qui va me demander la parole pour que je puisse l'identifier. Voilà. Oui, donc la délibération numéro 13 concerne les conventions triennales clubs citoyens de haut niveau. Alors, c'est un dispositif que vous connaissez, puisque il y a 3 ans, nous avions déjà voté ces conventions, qu'elles arrivent à échéance, et donc nous avons retravaillé le dossier. Sachez que nous avons sur Saint-Nazaire 160 associations sportives, que la moitié de ces associations sportives font du sport en compétition, et que sur ces 80 associations en compétition, 29 sont à un niveau national et au-delà du national. Nous avons, il y a 3 ans, travaillé des critères de conventionnement avec l'Office municipal des sports. Nous ne sommes pas revenus sur ces critères qui nous semblent cohérents.
et donc qui parle de l'analyse des pratiques sportives, de l'implication des associations au niveau local en matière de citoyenneté, et puis l'étude même des différentes disciplines pour savoir quelles sont les difficultés d'accession à un plus haut niveau, etc. Donc depuis 3 ans, nous avons retravaillé les aides de droit commun pour les clubs, aides financières et aides en nature, parce que nous mettons à disposition des équipements sportifs. Nous avons travaillé ces conventions et au-delà, nous accompagnons individuellement des sportifs de haut niveau qui préparent des événements internationaux importants comme des championnats d'Europe, championnats du monde et destination des Jeux Olympiques. Cet accompagnement se veut individuel, mais en cohérence avec le club, puisque chaque financement qui s'avère nécessaire pour un sportif de haut niveau, le financement va au club qui permet l'entraînement de ce sportif. Donc, depuis 3 ans, nous avons réétudié nos conventions avec différents points qui nous semblent importants. Nous avons restructuré la politique municipale sportive de haut niveau. Nous faisons une meilleure reconnaissance du sport de haut niveau et je pense notamment à la cérémonie des victoires du sport qui permettent de valoriser l'ensemble des champions, quelle que soit la discipline sportive, reconnue olympique ou pas. Et puis nous avons différents critérisation et d'objectifs qui nous permettent d'arriver sur ces conventions. Par contre, nous avions quelques points d'attention. L'enjeu du sport féminin, puisque nous avions une convention qui est arrivée l'année dernière par avenant pour l'équipe féminine de volleyball, mais c'était tout. Une lisibilité du soutien municipal perfectible, parce que quoi qu'on en pense, la ville de Saint-Nazaire est le premier partenaire et restera le premier partenaire des clubs sportifs nazériens, quel que soit le sport, quelle que soit l'association, y compris le haut niveau. Donc, pour tout cela, nous arrivons à 9 conventions clubs citoyens de haut niveau pour les sports individuels, avec le Saint-Nazaire Olympique Sportif Canoë-Kayak, le Saint-Nazaire Atlantique Natation, le Saint-Nazaire Olympique Sportif Aviron, le boxing nazérien, l'ESCO 44 Saint-Nazaire, et pour les sports collectifs traditionnels, le Saint-Nazaire Handball, le Saint-Nazaire Atlantique Football, le Saint-Nazaire Volleyball Atlantique et le Saint-Nazaire Ovalie. Au regard du budget qui a été voté cette année, nous avons pu déjà en parler. Je vous propose les montants de convention suivants. Pour le boxing nazérien, 12 000 euros qui comprennent la subvention de droit commun et la subvention de haut niveau, avec d'inscrits dans les conventions la valorisation de la mise à disposition des équipements sportifs pour le boxing à hauteur de un peu plus de 35 000 euros. Le snows canoë kayak, une subvention globale de 15 000 euros et une valorisation de mise à disposition des équipements de plus de 41 000 euros. Le SNOS Aviron, 24 000 euros de subvention et à peu près 93 000 euros de valorisation des équipements. ESCO 44, 31 000 euros de subvention et 54 000 euros de valorisation des équipements. Saint-Nazaire Atlantique Natation, 36 000 euros et 44 800 euros de valorisation des équipements. Et pour le sport collectif, Saint-Nazaire Ovalie, 52 000 euros de subvention et 154 000 euros de mise à disposition des équipements. Saint-Nazaire Atlantique Football, 102 000 euros de financement et un peu plus de 99 000 euros de valorisation. Saint-Nazaire Handball, 161 000 euros de subvention et près de 82 000 euros de valorisation. Saint-Nazaire Volleyball Atlantique, 251 000 euros et 78 000 euros de valorisation des équipements. J'insiste sur la valorisation des équipements parce qu'on parle souvent du côté financier mais pas de la mise à disposition des équipements. Or, ça va de soi, mais c'est toujours intéressant de le signaler
à toutes les structures et nous le faisons désormais complètement auprès des associations et nous leur demandons même de l'indiquer dans leur budget, en plus et en moins, mais au moins qu'ils le fassent apparaître. Donc je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer ces conventions. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'elle appelle des remarques, des commentaires sur cette convention tant attendue par nos clubs qui ont été cités ? Non. Tout va bien ? Pas de prise de parole ? Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Bah écoutez, c'est de bon augure pour cet après-midi. Unanimité. Merci pour ces sportifs. Libération suivante. Alors, je vais en profiter pour remercier Hervé Le Provost et Michael Frock qui suivent particulièrement ce dossier des conventions haut niveau. Sur la délibération 14, il s'agit de place aux associations, une convention financière à conclure avec l'Office municipal des sports pour la mise en place du programme des activités sportives qui auront lieu sur le parc paysager et la plaine des sports. Vous le savez, Place aux associations est un événement associatif très important pour la ville et qui se déroulera les 8 et 9 septembre prochains. Alors le 8, notamment à l'alvéole 12 et autour de la base sous-marine. Et puis sur la plaine des sports et le parc paysager, dans les équipements et espaces publics de plein air, sur les samedis 8 après-midi et dimanche 9 toute la journée avec les associations sportives. C'est un dossier qui est travaillé depuis 2 ans avec l'Office municipal des sports pour organiser une vraie fête du sport nazérien. Et donc, il nous est apparu évident qu'il fallait que cet événement de fête du sport soit coordonné avec Place aux associations et que ce soit une vraie fête, un vrai week-end des associations nazériennes. Pour cela, je remercie l'OMS et ses bénévoles qui se réunissent très régulièrement. Notamment, il y avait encore 75 personnes cette semaine en réunion pour préparer le côté plaine des sports cet événement. Et je voudrais particulièrement remercier Christian Pierre qui se charge au niveau de l'OMS de l'organisation de tout cela. Donc, il s'agit aujourd'hui d'approuver, de m'autoriser à signer une convention avec l'OMS pour l'organisation de Place aux associations côté plaine des sports avec un montant de subvention de 25 000 euros. Alors, sur Place aux associations, est-ce que ça appelle des remarques, des commentaires ? Oui, monsieur Texier. Oui, monsieur le maire, chers collègues, effectivement, je rejoins les propos du fait que la ville est le premier acteur, le premier financier des événements sportifs, etc. De la même façon où on voit que les premiers acteurs et la première richesse, la première ressource, en fait, pour l'ensemble de nos manifestations, reste le bénévolat et l'ensemble des bénévoles de ces clubs sportifs qui ne comptent pas leurs heures sur des projets comme celui-ci. Donc, merci à eux. Merci. Nous partageons. Pas d'autres remarques ? Des avis contraires, des abstentions, unanimité. Bien écoutez, merci. Monsieur Lumeau pour la 15. Alors, vous êtes rendu où ? Hop, là. Monsieur le maire, mes chers collègues, délibération numéro 15, c'est une délibération qui, on pourrait dire, conclut un long cycle de travail et qui fait suite à une délibération qu'on avait déjà approuvée le 13 avril 2018, qui était le principe d'adhésion à l'EPCC, École des Beaux-Arts, Nantes-Saint-Nazaire. Il s'agit par cette délibération d'autoriser la signature d'une convention triennale pour fixer les objectifs et les moyens de cet établissement. L'IDIMAE aura d'ailleurs 2 délibérations, la 52 et la 53, sur la thématique du personnel qui deviendra personnel de l'EPCC et qui ne sera plus à partir du 1er juillet personnel municipal. Donc, un projet dont on a déjà parlé, c'est un lien fort sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire. C'est également une discipline d'enseignement supérieur
artistique qui arrivera sur Saint-Nazaire à la rentrée 2019 et qui se développera dans un premier temps dans la galerie des franciscains de notre école d'art. Ça participe bien évidemment et ça rejoint tout ce qu'on a eu comme présentation sur la dynamisation du centre-ville, mais c'est surtout aussi la reconnaissance de cette filière qu'on appelle les arts visuels, qui a commencé à naître à Saint-Nazaire avec le Centre d'art contemporain qui est le Grand Café, le LIFE, ce qui se fait aussi à l'école d'art, et particulièrement sur l'enseignement et les pratiques amateurs. Et cette convention, c'est aussi de nous garantir quelque part que cette expertise sur les pratiques amateurs puisse être maintenue, puisque la direction de l'école d'art qui rentre maintenant dans le PCC se fera par le biais d'un conseil d'administration qui se réunira 3 à 4 fois à l'année au siège de l'école supérieure des Beaux-Arts de Nantes. Et il nous fallait garantir que notre ambition sur l'enseignement des pratiques amateurs puisse se faire et également que tout le travail qui est fait par l'école d'art sur les parcours d'éducation artistique et culturelle puisse perdurer. Donc c'est l'objet de cette convention. J'étais en conseil d'administration jeudi pour entériner l'adhésion de la ville. Le département également rejoint cette PCC, surtout sur les pratiques amateurs. Donc c'est plutôt la ville de Saint-Nazaire qui a été reconnue sur cette ambition. Tout n'est pas terminé, puisque là, c'est la symbolique de la création de l'EPCC. Il y aura, comme je l'ai dit, plutôt à l'été d'ailleurs, les classes prépa commencent à l'été. À l'été 2019, l'arrivée de 80 étudiants sur Saint-Nazaire, dont à peu près la moitié d'étudiants étrangers. Donc une délibération qui conclut ainsi, qui est symbolique, mais qui n'est pas la dernière, parce qu'on aura à reparler de l'école des Beaux-Arts de Saint-Nazaire quand on sera tenu de parler des bâtiments. Merci. Ça appelle des commentaires ? Non ? Ah si, excusez-moi, monsieur Duval. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, le 13 avril dernier, vous nous avez demandé d'approuver l'adhésion de la ville de Saint-Nazaire à l'EPCC dénommée École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, ainsi que la modification de ses statuts, ce que nous trouvions très intéressant. Mais à la lecture de la convention présentée ce jour, nous avons quelques réserves. En effet, dans l'article 2.1 de la convention, il est dit: les PCC de Nantes-Saint-Nazaire s'engagent à réaliser les missions de service public et d'intérêt général énoncées ci-après, étant précisé qu'il est autonome quant à la définition de sa grille et des contenus de sa programmation pédagogique. Ce qui veut dire que le PCC fait bien ce qu'il veut. On va lui verser les 475 000 euros de subvention qui étaient accordés à l'école des Beaux-Arts de Saint-Nazaire, à l'école d'art de Saint-Nazaire, pardon, et ce, sans aucune garantie des services en retour pour notre ville. Donc nous ne pouvons valider cette convention et nous votons contre, car nous sommes inquiets sur l'avenir de l'école d'art. Merci, monsieur le maire. Merci. D'autres prises de parole avant que monsieur Lumeau puisse vous répondre ? Non ? Allez, monsieur Lumeau, appuyez donc sur le bouton que je vous identifie. Ici. J'ai un décalage, en fait, entre le moment où vous appuyez. Hop, voilà. Alors, il est vrai que d'un point de vue juridique, comme je l'ai dit dans mes propos, c'est un conseil d'administration qui gérera à la bonne tenue et au bon fonctionnement de cet établissement mutualisé, mais qui n'en fait plus qu'un, avec un site à Nantes, un site à Saint-Nazaire. Mais cette convention, justement, elle a pour but, si vous l'avez lu dans le détail, puisque aujourd'hui, l'école de Nantes n'a pas, pour les pratiques amateurs, par exemple, les mêmes tarifications qu'à Saint-Nazaire. La convention, ça permet de maintenir la tarification nantaise au choix que feront les Nantais et la tarification nazérienne au choix que feront les Nazériens. Je parle bien de l'enseignement des pratiques dites amateurs. Sur la classe préparatoire, puisque là on est sur l'objet nouveau de ce qui constitue le PCC, c'est évidemment une commande politique qui se fera, puisque là on est sur une thématique d'enseignement supérieur et recherche, qui se fera au sein du conseil d'administration, mais ça ne changera en rien la pratique des enfants, des adolescents et des adultes qui fréquentent aujourd'hui l'école d'art et qui, à partir du 1er juillet, fréquenteront l'école des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire. Très bien. Cette délibération est aux voix. Des avis contraires ? Vous êtes... C'est deux ? Il n'y a pas de pouvoir ? Deux avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Arnoud pour la délibération 16 allant jusqu'à la 30. Merci. Délibération numéro 16. Il s'agit de la taxe de séjour, des tarifs pour l'année 2019.
qui sont donc appliquées depuis la taxe de séjour qui est appliquée depuis 2015. La loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 a modifié pour des raisons d'équité le mode de calcul de la taxe de séjour pour les établissements non classés ou en attente de classement. Donc c'est une délibération purement technique, sachant que tous les autres tarifs ne sont pas modifiés. Il s'agit de mettre un taux de 3,75% pour ces établissements-là et seulement ceux-là, ce qui en fait revient exactement au même tarif que nous avions voté en 2017, c'est-à-dire 61 centimes d'euros par nuit. Sur cette taxe de séjour, ça appelle des commentaires ? Oui, manifestement, Monsieur Texier a appuyé sur le bouton. Monsieur le maire, chers collègues, je ne réouvrirai pas le débat sur le sujet de l'usine élévatoire avec l'hôtel de luxe, même si je ne partage pas votre point de vue, mais peu importe, je voulais quand même vous donner notre position. Effectivement, on vous donne raison sur un point, ce que Saint-Nazaire manque cruellement de logements et d'hôtels en fait, haut de gamme. Alors, j'aime pas le mot luxe, mais en tout cas d'hôtels haut de gamme. Et effectivement, vaut mieux avoir un outil. Même si nous, on ne l'aurait pas imaginé du tout en fait, sur l'usine élévatoire, mais il vaut mieux avoir des équipements de haut standing sur notre ville plutôt que de les voir aller à côté, alors qu'on a tout pour les accueillir, hormis la structure hôtel. Votre avis m'intéresse, vous l'auriez imaginé où, vous ? Alors, en fait, sur le front de mer, on est tout à fait capable en fait, de trouver des Oh, monsieur Guyodo, je vous emmène sur le front de mer. On va faire une petite balade en voiture et on regarde. Hein, merci. Non, monsieur Texier, sans donner d'adresse précise, en fait, je vous donne en fait sur le front de mer. Effectivement, on pourrait imaginer. Il y a des endroits où on a fait des petits programmes immobiliers, etc. On aurait pu imaginer, pourquoi pas, ouvrir un appel à projet et de regarder si on pouvait pas construire face mer un hôtel de très haut standing sur ces passages-là. Voilà. Bon. C'est tout. Écoutez, moi, sur ce sujet, dont je sens bien qu'il peut amener polémique, je ne sais pas si c'est moi, et peu importe l'expression luxe, peut-être luxe, haut de gamme, de standing, vous l'appelez comme vous voulez. Mais là encore, il faut être précis. Vous imaginez, peut-être y en a-t-il d'autres. Moi, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne dis pas que j'en vois tout. Mais vous auriez pu imaginer, quand vous adressez à l'équipe municipale, au maire, attendez, moi je regarde le patrimoine foncier de la ville de Saint-Nazaire sur le bord de mer, enfin dans la baie urbaine, hein. Bah, je suis désolé, j'en vois bien, hein. Je m'opposerai à toute construction tant que je serai là. C'est où il y a le manège, à Sautron. Ça, c'est un foncier municipal. Oui, on pourrait enclencher une procédure. Moi, tant que je suis là, ça ne se fera pas. Et d'ailleurs, on a bien vu pour les différentes manifestations l'intérêt de cet espace-là, espace vert au sens noble du terme. Il y a un autre lieu qui pourrait être regardé. Et ceci, écoutez, je crois que c'est non pas dans les cartons, ça n'appartient pas à la ville. Dans les aspirations, dans les volontés, dans les rêves. Et éventuellement la capitainerie qui est située, construite devant la pince de crabe. Mais attendez, qu'on précise bien les choses, et je le dis avec force. Le maire de Saint-Nazaire, l'équipe municipale, n'a pas dit « Nous voulons un hôtel haut de gamme, de charme, de luxe, vous en prie, comme vous voulez. » Là. Excusez-moi, quand je dis de charme, c'est un hôtel atypique. Moi, en clair, c'est... Moi, je veux pas... Attendez, on connaît tous ces hôtels, dont je ne vais pas citer l'ensemble des franchiseurs qui les utilisent, les grands groupes. Moi, je veux un hôtel un peu atypique, et donc haut de gamme, qu'on trouve, comme on en trouve dans d'autres villes, où on vient, on dit « Ah, là, il y a un hôtel particulier ». Il y en a un que nous connaissons, c'est l'hôtel de la plage, qui est certes géré, mais qui a un emplacement particulier. Je ne rentre pas, moi, on n'aime pas, c'est trop beau, trop cher, trop... C'est pas le sujet. L'usine élévatoire, moi, je vais être très clair avec vous, Madame Beuvelet s'est exprimée, je vois bien la volonté de polémiquer. Il y a un autre projet issu d'association. Je ne dis pas que le projet est désagréable, que le projet n'est pas bon, je ne dis pas que le projet... Je dis que ce projet-là, il ne peut pas rentrer dans le modèle économique que le port a situé, et que donc... Moi, j'appréhende le sujet. Attendez, c'est le port et la région. Je dis, écoutez,
dans ce que j'ai vu, j'ai reçu personne. Dans ce que j'ai vu, sur les retours, je vous dis de mémoire 15 dossiers, il y en a 3 où je me dis, il n'y a que là, éventuellement, parce qu'il n'y a rien de gagné. Il n'y a vraiment rien de gagné. Et c'est au port de faire son boulot. Bah, moi, je crois que là, un hôtel, alors atypique, qualifié, haut de gamme, tout ce que vous voulez, joint avec, on est bien clair, une restauration, là, j'ai envie de dire, étoilée, gastro, que nous n'avons peu à Saint-Nazaire. Et il n'y a pas... Attendez, je ne viens pas critiquer ce qui se passe dans l'ensemble des restaurants de Saint-Nazaire. Chacun doit pouvoir y trouver, suivant ses envies, suivant le cordon de la bourse qu'il possède. Mais je dis simplement que là, on a un lieu assez intéressant. Et en plus, il ne s'agit pas, comme j'ai lu, entendu, chercher de la polémique pour la polémique. Il faut que l'espace reste ouvert pour que la population puisse venir visiter ce qu'était l'usine évatoire. Et je vous rappellerai que l'hôtel est plutôt dans un bâtiment qui serait construit juste à côté, dont la presse parle d'ailleurs ce matin, si bonne mémoire, d'une déconstruction. Donc, n'y voyez pas, enfin, il n'y a pas de... Alors, vous pouvez me dire, non, monsieur, monsieur le maire, on n'est pas d'accord avec ça, on préfère ce que l'association Les Vieux Nazériens, c'est ça, hein, le Vieux Saint-Nazaire, souhaite porter, et donc, monsieur le maire, il faut subventionner, parce que le modèle économique, manifestement, ne serait pas atteint. Ouais, mais... Ça, c'est le débat du conseil municipal. Pour ma part, au regard des contraintes que nous avons, si on pouvait avoir un lieu dont on conserve le patrimoine, dont on conserve une caractéristique publique et d'un modèle économique où on n'a pas de sous à mettre, ça m'irait bien. Et en plus, moi, écoutez, je suis désolé, mais je suis un homme de gauche. C'est pas parce que je suis de gauche que je suis contre le luxe ou contre le haut de gamme. Et moi, quand je vois des hommes et des femmes qui viennent commander des paquebots à des milliards... et qui passent leur temps à faire la boule nos chantiers, bah je me dis que si demain matin, ils peuvent rester dans cette ville, faire tourner la machine économique, apporter l'activité, bah écoutez, j'en serais plutôt réjoui. Voilà mon état d'esprit. Après, je vais être clair avec vous, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais moi, je n'ai pas de... Un autre sujet, je ne veux pas polémiquer non plus. Mais le groupe Total, suite de l'Erica, 7 millions, c'est ça ? 7 millions d'euros qui devaient être investis dans ces lieux, ce sont des sujets qui reviendront. Comme je l'avais évoqué avec M. Retailleau, j'ai commencé à l'évoquer avec Mme Morancet, mais c'est bien dans une relation avec le port, la région, et que la ville de Saint-Nazaire puisse émettre ce que j'ai fait, tout simplement, de dire ça, ça me semble plutôt opportun. C'est tout simplement, je crois, de la responsabilité de notre conseil municipal. Voilà où on en est au moment où on se parle. Toute transparence. Voilà. Nous sommes sur la délibération numéro 16. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Arnoult, lettre 17. Délibération numéro 17, il s'agit de l'exonération de taxes foncières des immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements assurant le service public hospitalier. Donc il s'agit de la cité sanitaire et du groupement de coopération sanitaire. Pour mémoire, le groupement a eu le droit à une exonération en 2014-2015, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis depuis, en fait, en 2017, l'administration fiscale a rendu impossible cette exonération, considérant que c'était simplement un groupement de moyens et non pas un établissement de santé. Or, en 2012, une instruction fiscale autorise normalement les groupements de coopération sanitaire à être exonérés de la taxe foncière. Donc là, il s'agit de permettre au GCS d'être exonéré à hauteur de 305 000 euros de cette taxe foncière. Est-ce que la délibération 17 appelle des commentaires, des prises de parole ? Il n'y en a pas. Des votes contre ? Des abstentions, unanimité. Merci. La 18. La 18, groupement scolaire de la Chênaie, André Chédid, très bel établissement. Nous avions des désordres, notamment sur les menuiseries extérieures. Il s'agit d'un protocole d'accord entre la ville de Saint-Nazaire et puis certaines sociétés que vous avez dans la délibération, à hauteur de 673 778 euros, qui vont dans le sens de la ville de Saint-Nazaire. Sur ce sujet, des prises de parole, des votes contre, des abstentions, merci.
Délibération 19, s'agissant d'un sinistre d'une exploitante de laverie à Saint-Nazaire. Là aussi, il s'agit d'un protocole d'accord entre la ville et cette exploitante à hauteur de 15 000 euros. Pour cet accord, des avis contraires, des abstentions, merci. Délibération 20, projet d'activation de la façade littorale de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Ce projet vous a été présenté lors de la construction de la convention. Aujourd'hui, les équipes travaillent sur 6 secteurs. Il y a 2 équipes qui travaillent sur l'ensemble des 6 secteurs. Une première étape vient d'être achevée avec le diagnostic et puis la stratégie globale qui a été menée. Nous rentrons aujourd'hui dans la deuxième étape qui arrive maintenant avec les orientations stratégiques et programmatiques de ce projet qui vous seront présentées dans le courant de l'année. Depuis la signature de la convention, il a été rendu nécessaire la recherche d'un prestataire en communication, mais aussi en concertation avec les habitants. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, depuis aussi, de nouveaux partenariats ont été créés avec le Grand Port Maritime, le département notamment. Et il s'agit de prendre en compte ces changements dans la convention à travers cet avenant. Sur cette CCI aussi, j'ai oublié. Sur cette délibération concernant le projet d'activation de la façade littorale, dont je le dis ici, sur deux sujets, j'ai lu et j'imagine, comme vous toutes et comme vous tous, les contributions d'un des groupes d'opposition sur le sujet, dont je trouve ça, c'est mon point de vue, je ne vous demande pas de le partager. Non, il n'y a rien de planqué. Ce sujet-là viendra devant le conseil municipal au mois de septembre, d'une présentation de l'état de notre réflexion, ce que nous possédons, qu'est-ce qui est possible, comment on intervient, en sachant qu'il n'y a pas, vous n'allez pas découvrir un beau matin, soit dans cette enceinte, soit dans une commission extra-municipale ou dans la presse, un projet avec une maquette et un bon à tirer, ou en tout cas un permis de construire. C'est une dynamique qui s'inscrit d'une part sur un temps long, dont il a fallu faire un travail extrêmement important, y compris de patrimoine, qu'est-ce que nous avons, de mise en stratégie, et qui ne concerne pas que la ville de Saint-Nazaire. Hein, nous travaillons bien évidemment avec la commune de Pornichet et dans le cadre du pôle métropolitain. Donc je voudrais rassurer ici tout le monde, en sachant que ce type de réflexion, il ne s'agit pas de projet, ce type de réflexion, il partira du plateau du Petit Maroc et il va jusqu'au port d'échouage du port de Pornichet. Et au même titre, je vous le dis ici aussi, je considère que la ville centre, la ville de Saint-Nazaire, a une responsabilité particulière dans l'animation de la façade atlantique de la métropole. Voilà pourquoi j'étais avec Yves Météro dernièrement, en bord de Loire sur le nautisme. Voilà pourquoi je rencontrais début de semaine ou semaine dernière le maire de Saint-Brévin, dont je lui ai fait clairement la proposition d'adhérer à l'agence d'urbanisme, puisque c'est là où nous créons aussi, avec le pôle métropolitain, une culture. Et j'aurai la même démarche, mais il nous faut une continuité géographique dans les EPCI, pour aller voir mon collègue de Pornic, qui s'appelle M. Brard. Donc, tout est clair. Ne voyez pas de... pas être vulgaire, mais ne voyez pas de pilotage, je ne sais quoi. Et là aussi, soyez très tranquille. J'aime bien la clarté, la transparence. Oui, j'ai dit que j'étais candidat à ma propre succession. Il ne me semble pas que ce soit un scoop pour vous et pour toutes celles et ceux qui suivent l'activité politique municipale, et que ces sujets sont des sujets qui dépassent de bien loin ce mandat, le mandat prochain, et y compris, je crois, notre vie politique aux uns et aux autres. Alors, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Madame Van Deren. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Juste, c'est peut-être moi qui ai mal compris au niveau des chiffres, pas au niveau de la politique ou de la polémique. Il y a le projet façade littorale fait donc 860 000 euros d'appel de subvention. J'ai vu qu'il y avait 580 000 euros qui étaient pris en charge par les membres du groupement de commandes. Après, il y a encore 140 000 euros qui est pris par les départements de Loire-Atlantique, le Grand Port Maritime et la CCI. Pour moi, il manque 140 000 euros quelque part, si mes calculs sont exacts. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait à ce niveau-là.
Voilà. S'il manque 40 000 euros dans l'addition que vous venez de faire, c'est qu'il y a un problème. 140 000 euros, oui. Enfin, à moins que j'ai mal compris, effectivement. Port, État, CCI, pôle métropolitain. Alors, eux, ils ont 140 000 euros. Le département, le Grand Port et la CCI, il me semble que c'est 140 000 euros. Ou je me trompe? Ça doit tomber juste, peut-être qu'il y a une coquille dans la délibération que vous soulevez. Si vous je le faites, pas. C'est moi qui ai j'imagine que vous avez pris votre calculatrice et que vous l'avez faite deux fois avant d'intervenir. Donc, je veux bien vous croire sur parole. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de la faire voter. Il y a peut-être un hors-taxe CTC. Non, j'ai effectivement les premiers montants, les 580 du groupement de commande, c'est hors-taxe. Les 140 000, c'est hors-taxe parce que j'ai enlevé. Je vous propose quelque chose. Ouais. On dit juin pour le moment. Et puis, quand on est au clair, je demande les services. Martin Arnoux reviendra devant nous pour la faire voter, parce qu'il faut qu'on la vote avant okay. Cet été. On est en train de regarder où se situe la coquille, s'il y en a une, mais en tout cas qu'on puisse vous donner les éléments de réponse. Parfait, merci. Donc, sur la 20, du coup, on attend. La 21, contrôle périodique des installations techniques. Je vous propose un tir groupé entre la 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il s'agit des groupements de commandes, donc je vais vous les citer, et puis je vous propose, si vous le voulez bien, est-ce qu'il y a des oppositions, qu'on les vote ensemble. Contrôle périodique des installations techniques des moyens de lutte contre l'incendie, donc entre la ville de Saint-Nazaire, le CCAS de la ville de Saint-Nazaire, la Fédération des maisons de quartier, l'Association du théâtre Seine Nationale, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, les communes de Donges, Montoire de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachin, Saint-Malo, Trignac et la Carène. Ça, c'était pour la 21. 22, études géotechniques et études de diagnostic de pollution des sols, constitution d'un groupement de commandes, convention à conclure entre la ville de Saint-Nazaire et la Carène. Acquisition et entretien de vêtements et accessoires de travail, convention constitutive du groupement de commandes entre la ville de Donges, Montoire, Saint-Nazaire, Saint-Joachin, Pornichet et la Carène. Conception, exécution graphique et impression, convention constitutive du groupement de commandes entre Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Joachin, Saint-Nazaire agglomération tourisme et la Carène. 25, maintenance des équipements techniques des bâtiments, convention constitutive du groupement de commandes entre Saint-Nazaire, Donges, Saint-Joachin, Saint-Malo de Garsac, Trignac, Pornichet, le 16 de la ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire agglomération tourisme et la Carène. 26, fourniture et distribution de carburant, un groupement de commandes encore, entre Saint-Nazaire, Donges, Trignac, Pornichet, Montoire, Béné, Saint-Malo de Garsac, CCAS de la ville de Saint-Nazaire, l'OPH Silène et la Carène. Audio, vidéo et éclairage, convention entre Saint-Nazaire, Saint-Malo et la Carène. Et enfin, commande publique toujours, groupement de commandes, fourniture de maintenance d'une solution de gestion informatique de la flotte de véhicules. Donc là, il s'agit... une approbation aussi d'autorisation de signature. Et j'en ai terminé, il restera deux délibérations qu'on pourra voter en groupé aussi. Donc, M. Arnaud nous propose de voter en bloc de la 21 à la 28. Est-ce qu'il y a une opposition sur ce vote en bloc? Le deuxième point, y a-t-il des demandes de prise de parole sur les délibérations allant de la 21 à la 28? Je n'en ai pas. Vous m'avez autorisé à voter en bloc? Alors, 21 à 28, des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 29? Oui, en fait, on ne va pas les faire en même temps. 29, bourse à mobilité internationale, projet humanitaire au Kenya, demande de subvention à titre collectif pour l'association Polytech Solidaire. 1000 euros. Les 1000 euros pour Polytech Solidaire, appelle-t-elle des commentaires, cette subvention? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 30? Bourse à mobilité internationale, projet de mobilité au Royaume-Uni, demande de subvention à titre individuel pour Lucie Roland, 300 euros. Sur cette délibération 30, des avis contraires, des abstentions, je vous remercie. Madame Degnaud. La délibération numéro 31 concerne le contrat de ville et la deuxième programmation. Il s'agit donc d'autoriser le financement de trois nouvelles actions dans le cadre de la programmation politique de la ville. Short Studio, Cité Swag et le fonds de participation des habitants. Sachant que sur le fonds de participation des habitants, Céline Girard y reviendra dans le cadre des délibérations qu'elle présentera. Sur cette délib, des avis contraires, des abstentions. Merci, la 32.
En sachant effectivement que vous avez le petit livret qui présente l'ensemble de la programmation sur l'année. J'en profite pour remercier les services pour leur grande mobilisation autour de cette question. Les délibérations suivantes de la 32 à la 43 sont des délibérations extrêmement techniques sur des projets que nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter en conseil municipal. S'il n'y a pas de demande d'information ou d'intervention, je vous proposerai volontiers de les voter en bloc. Je regarde rapidement les groupes, les présidents de groupe. Il n'y a pas de souci, pas de remarques, on peut y aller. De la délibération 32 à 43. Alors, vous m'autorisez à voter ces délibérations en bloc. Il n'y avait pas de demande de prise de parole. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. La 44. La 44 concerne le parking du théâtre. Il s'agit d'acquérir ces parcelles auprès du grand port maritime. C'est un achat foncier important pour la ville de Saint-Nazaire qui nous permettra d'ailleurs de faire des économies non négligeables en matière de fonctionnement puisque nous étions pour le moment en quelque sorte locataires de ces terrains. La délibération numéro 44, centre-ville. Appelle-t-elle des commentaires? Des abstentions, des oppositions, unanimité, merci. 45. La 45 est elle aussi extrêmement technique. Il s'agit d'un échange de parcelles dans le cadre de réserves foncières. Allez, pas d'avis contraire, pas d'abstention, merci. 46. La 46 est une délibération que nous retrouvons tous les ans puisqu'il s'agit d'acter la taxe locale sur la publicité extérieure et les tarifs pour l'année 2019. Sur ces tarifs, tu appelles des prises de parole, des avis contraires? Des abstentions. Je vous remercie, Monsieur Renevote, pour la 47. Hop. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je suis amené à revenir devant le conseil municipal pour une convention qui avait été adoptée à l'unanimité le 13 avril dernier, mais la direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale nous demande de préciser un point sur l'accueil du public mineur à la source et de repréciser l'identité des professionnels qui interviennent au niveau de ces mineurs au sein de la source. Donc deux modifications extrêmement minimes sur cette convention donc, qui avait été adoptée donc, le 13 avril dernier. Pendant que la discussion se produit, j'en profite pour glisser en quelques secondes quelques bonnes nouvelles de la source, puisque à 35 jours de fonctionnement, c'est 340 passages de jeunes sur ce nouvel équipement, donc qui correspond à 190 jeunes différents. C'est aussi l'accueil de parents au nombre de 19, l'accueil de partenaires au nombre de 43, et la source s'inscrira dans les différents événements ville-carène de cet été, que ce soit Saint-Nazaire côté plage, journée du patrimoine ou Digital Week. Donc voilà, le programme est bien engagé, la fréquentation de ce lieu est maintenant identifiée. Sur cette délibération concernant l'espace jeunesse, délibération numéro 47, des prises de parole, des avis contraires, des abstentions, je vous remercie. Monsieur Gros, notre directeur général des services, est venu me voir sur la délibération numéro 20. Il s'avère que cette délibération est bien conforme. Je vais vous tenter de vous retraduire ce que vient de m'expliquer Monsieur Gros. Et si ce n'est pas clair, je lui passerai la parole. En fait, dans la délibération numéro 20, il s'agit de 580 000 euros hors taxes, dont les montants sont des montants maximum. Il s'avère donc que nous avons plus, avec l'ensemble des intervenants, plus de financement que de besoins sur les participations. C'est bien ça, M. Gros, pour le moment. Et que, suivant les différentes études et le coût réel, donc il y a une provision qui est plus grande que ce que nous en avons besoin, ce qui, de mon point de vue, traduit un engagement important de l'ensemble des partenaires, chambre de commerce, le port, le conseil départemental, le pôle métropolitain, l'agglomération, la ville. Voilà pourquoi on est sur un montant au total, puisqu'on a 146 000 hors taxes et un montant au total de 921 000 hors taxes. Est-ce que j'ai été clair, monsieur le directeur général des services, ou pas? C'est à eux de vous répondre. Madame Van der Rijn. Moi, pour moi, oui. Ah, en fait, on a une provision supérieure aux besoins estimés. Ah ben, elle est sous les yeux, là. Elle est sous les yeux. Attendez, reprenez le micro, parce que pour que tout le monde vous entende, y compris pour le PV. Appuyez sur le bouton. Allez-y. Voilà. Alors, c'est peut-être moi qui ne vois pas bien, mais effectivement, le montant dont on a besoin, c'est bien 860 000 hors taxes. On est d'accord?
Bon. Et on nous dit que les membres du groupement de commande donnent 580 et les trois autres départements, Grand Port et CCI, 140. Ça fait un total pour moi de 720 hors TVA. Sachant qu'on en a besoin de 860. Et là, vous venez de me parler de 900 aidés. Oui, madame, je me permets de vous couper. Vous avez oublié les 195 000 euros. Ah, c'est peut-être ça alors. Dans le paragraphe, une demande de subvention au titre de fonds de ville de demain en février 2017 au titre des dépenses d'ingénierie. Hein, 195 000 euros. D'accord. Je ne voyais pas où les mettre, justement, ceux-là. Je pensais qu'ils faisaient partie d'une des... Ouais. Je vais vous donner mon numéro de compte. OK, merci. C'est bon ? Parfait, merci. Alors, la délibération 20, est-ce qu'on ne l'a pas votée, hein ? Y a-t-il des avis contraires ? Alors, il y a trois avis contraires, puisque vous êtes porteur d'un... Donc, trois avis contraires, des abstentions ? Eh bien, merci. Donc la délibération 20 est donc adoptée, moins 3 avis contraires. Nous allons passer aux affaires concernant Madame May, délibération 48. Si vous m'y autorisez, Monsieur le maire, je vais prendre un peu de temps pour vous présenter le rapport annuel 2017 de la Commission communale pour l'accessibilité. Un principe premier anime la politique de la ville en faveur du handicap. Chacun doit pouvoir vivre sa vie familiale, sociale et citoyenne selon son propre projet sur les principes de l'égalité et de l'autonomie. Nous développons aussi de nombreuses actions en faveur de l'accès à tout pour tous et nous avons choisi de mener une politique en faveur d'une accessibilité universelle dans l'idée de ce qui est utile pour les personnes en situation de handicap est utile pour tous. L'accessibilité universelle est une opportunité dans la conception permettant un confort d'usage pour tous, mais surtout un moyen de transformer la ville au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Ces actions participent par ailleurs à changer le regard et les comportements des citoyens vis-à-vis du handicap, à les impliquer et à les mobiliser davantage en faveur du vivre ensemble pour dessiner une ville plus fraternelle et soucieuse du bien-vivre pour tous. Rendre une ville accessible à tous, c'est rendre accessible dans sa totalité et à tout type de handicap, moteur, auditif, visuel, mental, psychique et cognitif, ou toute situation de handicap, personnes âgées, personnes avec des problèmes de santé, personnes avec des charges ou des poussettes, l'ensemble de la chaîne de déplacement, le logement, la voirie, les espaces et jardins publics, les transports, les établissements recevant du public. La mobilité, une action portée à l'échelle de la CAREN, qui a indiqué dans son ADAP sa volonté d'aller au-delà de la notion stricte d'arrêt prioritaire définie par le décret. En 2017, le réseau est accessible à 67%. Et pour cette année, les travaux ont principalement été concentrés sur le prolongement de la ligne Hélice à Lormois, Montoire de Bretagne, et sur la ligne mutualisée entre La Baule et Saint-Nazaire, avec sur la carène 21 arrêts, dont 19 accessibles. Le programme de formation du personnel de la STRAN a été inscrit dans un plan de formation 2015-2020. Et en 2017, des formations ont été dispensées sur les domaines de l'accueil. Pour une ville accessible et inclusive, la ville de Saint-Nazaire a engagé un ADAP pour son patrimoine, 252 équipements à rendre accessibles, pour un investissement de 12 millions d'euros sur trois périodes de 3 ans, de 2017 à 2025. En 2017, la commission accessibilité des ERP a instruit 105 dossiers d'autorisation de travaux, 11 dossiers d'ADAP et fait 8 visites sur site, pour des réceptions de travaux et des autorisations d'ouverture. La Commission communale pour l'accessibilité a souhaité initier des groupes de travail concernant l'espace public ainsi que le logement et des projets ou des réaménagements d'espaces extérieurs réalisés pour les enfants par la ville englobent désormais l'installation d'un jeu inclusif parmi les autres jeux. C'est notamment le cas dans la cour rénovée du groupe scolaire Paul Bert, IME Clémence Royer à Méhan, mais également dans le square de la Mutualité réaménagé en centre-ville et qui a été fait et réalisé en concertation avec les membres du conseil de quartier.
Mais rendre la ville accessible, c'est aussi permettre à toute personne en situation de handicap de participer pleinement aux activités ou services proposés par la ville et ainsi de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap en mettant en œuvre un accompagnement adapté. C'est garantir une place à part entière pour chacun. À l'école, pour l'année scolaire 2017-2018, ce sont 102 enfants en situation de handicap qui étaient scolarisés en milieu ordinaire et 75 enfants ont été accueillis dans les 7 ULIS. Le dispositif mis en place à la rentrée 2016-2017 a été reconduit pour cette année scolaire. Ainsi, deux référents handicap sont intervenus sur le temps de la pause du midi dans le groupe scolaire Ernest Renan, qui accueille également l'ULIS École Troubles des Fonctions Motrices. Et 6 référents ont été maintenus sur les temps périéducatifs sur les sites accueillant des élèves en classe ULIS, des agents municipaux ou des professionnels issus des structures en convention avec la ville. Sur les différents temps de vie de l'enfant, en tant que personnel de premier contact sur les différents temps de vie de l'enfant, des responsables de site, directeurs de centres de loisirs et animateurs ont suivi une formation de sensibilisation au handicap et pour une 20aine d'ATSEM, une formation à l'accueil d'un enfant en situation de handicap à l'école maternelle. En été, les ateliers de découverte du drapé aérien ont été renouvelés pour des enfants et des jeunes de différents établissements, une proposition dans le cadre d'un projet culturel de territoire avec la compagnie Fred Deb à l'occasion des rencontres de danse aérienne. Concernant la petite enfance, la mission référent d'enfants en situation de handicap a été mise en place en 2017. Durant l'année, les équipes ont pu solliciter la référente handicap pour plusieurs missions, notamment sur la contribution à l'élaboration d'un projet afin de créer des espaces ludiques et sensoriels adaptés aux enfants en situation de handicap. L'accès à la culture. Le Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse poursuit et élargit toujours plus ses partenariats avec les structures médico-sociales et autres par convention annuelle reconduite pour 3 ans. Il favorise aussi les inscriptions individuelles pour jouer en collectif, pratiquer un instrument ou la danse. Ce sont ainsi 16 jeunes qui ont été inscrits à la musique et 2 inscrits en danse pour l'année 2017. Une nouveauté en 2017 pour le Conservatoire, l'accueil de jeunes avec autisme. Des inscriptions qui sont en augmentation pour l'année 2017-2018 avec un total de 43 inscrits qui correspond à environ un peu plus de 3% des effectifs total du Conservatoire. L'École d'art a reconduit ces dispositifs par convention triennale, encadrée par une enseignante. Concernant le public en situation de handicap, l'objectif de l'école est aussi d'orienter, dans la mesure du possible, vers une pratique au sein d'un atelier tout public. La médiathèque porte une attention particulière à l'accessibilité pour le public en situation de handicap et a mené plusieurs projets avec les classes ULIS des écoles publiques. En 2017, l'action culturelle et éducative de la médiathèque a touché directement 400 personnes en situation de handicap. Elle offre aussi des fonds dédiés pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Et depuis fin 2016, de nombreuses animations à destination d'un public familial, toutes les conférences de la médiathèque, les ateliers scientifiques ainsi que certaines heures du conte sont interprétées en langue, des signes pour le public sourd. Le sport pour tous, la direction des sports et du nautisme, pour sa part, dans une implication réaffirmée depuis 6 ans, a multiplié en 2017 ses actions auprès du public, enfants et adultes en situation de handicap, ainsi qu'auprès des clubs sportifs. L'activité éducative, les manifestations, l'accessibilité au nautisme et au littoral, ainsi que l'offre éducative, se sont poursuivis et 16 enfants de l'IME Clémence Royer et du CESAD Ernest Renan ont bénéficié de l'école municipale handisport les mercredis pendant le temps scolaire. Pour les actions éducatives en partenariat avec des associations, c'est l'accueil de 203 participants à l'occasion
des Andes nautiques au bois joalant, avec des clubs nazériens, le Snowsval, le Snowskayak, le Snowsaviron et l'association Promotion Différence. La direction des sports a aussi en charge la mise à disposition des installations sportives municipales pour des organismes qui accueillent des personnes en situation de handicap et apportent un soutien technique et financier aux associations sportives proposant des activités de loisirs ou de compétition, sans compter la mobilisation importante de la ville pour les Jeux nationaux de l'avenir handisport. La direction des sports et du nautisme a aussi pour mission la mobilisation des clubs et l'accompagnement des initiatives. Environ 30 clubs nazériens proposent actuellement l'accueil de personnes en situation de handicap sur leur créneau d'activité. De plus, un label nazérien, club citoyen de haut niveau, permet à certains clubs d'obtenir une reconnaissance par la ville et un accompagnement pour leur action éducative, sociale et citoyenne, dont certaines visent des publics en situation de handicap. En matière d'emploi et handicap, la ville remplit les obligations réglementaires bien au-delà du minimum de 6% d'emploi de personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Avec en 2017, pour la ville de Saint-Nazaire, 9,34% et en ce qui concerne son CCAS, plus de 12%. La ville s'appuie également sur une dynamique associative, de nombreuses actions de sensibilisation, de partage autour du handicap et en faveur de l'inclusion sont portées par les associations ou acteurs du handicap, toutes accompagnées par la mission handicap et pour certaines soutenues financièrement. Nous poursuivons avec les membres de la commission communale pour l'accessibilité, les services de la ville et ceux de la Carène, un travail de concertation et de co-construction pour permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer, d'accéder librement au sport, à la culture, aux loisirs, autant de possibles favorisant l'exercice de la citoyenneté et le bien vivre ensemble. Je tiens à saluer et à remercier l'ensemble des membres de la commission communale pour l'accessibilité, les services de notre collectivité et l'ensemble des élus qui, à travers nos politiques publiques, permettent à l'accessibilité universelle de progresser dans notre ville inclusive. Merci, madame, pour cette intervention et présentation de bilan, mais aussi de perspective. Est-ce que ça appelle des remarques, des commentaires ? C'est avec plaisir, monsieur Duval, que je vous donne la parole sur le sujet. Merci, monsieur le maire. Vous savez que je suis très, très sensible à ce sujet. Et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de participer à cette commission communale pour l'accessibilité, car contrairement à toutes les autres commissions, où vous nous dites bien ce que vous voulez, dans celle-ci, il y a beaucoup de référents d'associations qui nous informent des difficultés rencontrées. D'ailleurs, une association concernée par un handicap moteur, s'est émue de ne jamais voir monsieur Cotta. C'est vrai que monsieur Cotta fait partie de cette commission et c'est vrai que nous ne l'avons jamais vu. C'est dommage, car étant adjoint, en tant qu'adjoint au domaine public et à la mobilité, il pourrait recueillir les doléances et du coup se rendre utile. Donc aujourd'hui, nous est présenté le rapport annuel de la Commission communale de l'accessibilité. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais il y a un élément très important que j'aimerais porter à votre connaissance. Je ne rentrerai pas dans la polémique, mais par contre, vous vous amusez à la créer de partout. À la créer, oui, d'accord. Il y a un élément très important que j'aimerais porter à votre connaissance, et cet élément ne figure pas sur la présentation de la délibération, mais plutôt dans le rapport. Alors, pour être tout à fait clair, je vais vous lire le passage du rapport. Ainsi, la ville de Saint-Nazaire, à travers la mission handicap, a accordé 14 025 euros de subventions en 2017, répartis entre 14 associations, et a également initié des temps forts et actions diverses pour un budget de 11 000 euros. 14 000 euros plus 11 000 euros, 25 000 euros sur une année pour la mission handicap. Je vous dis, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et là, on sort des cadres réglementaires obligatoires, c'est-à-dire l'ADAPT, l'inclusion dans les écoles. Là, c'est vraiment des actions supplémentaires qu'on pourrait mettre. Donc voilà, merci, monsieur le maire. D'autres demandes de prise de parole ? Avant que madame Maé vous réponde, manifestement. Pas d'autres prises de parole ? Madame Maé, vous avez la parole. Vous ne rentrez pas dans la polémique, comme vous dites, mais vous aimez bien la styler. La première chose, vous évoquez que la mission handicap, ou tout du moins la hauteur des subventions que la mission handicap accorde, est à hauteur de 26 000 euros. Je crois que vous ne m'avez pas suffisamment écouté, monsieur Duval.
Cette politique, elle est portée par l'ensemble des élus thématiques. Lorsque nous accueillons des enfants dans les groupes scolaires, sur des temps périéducatifs, sur des temps de pause méridienne, ce sont des ressources humaines qui sont mobilisées. C'est bien pour favoriser l'inclusion de ces enfants. Lorsque la direction des sports met des moyens, des installations sportives, c'est des moyens logistiques qui sont accordés à ces associations. Gaël Bénizet a présenté tout à l'heure les conventions en ce qui concerne le sport de haut niveau. Il y a de l'inclusion dans ces clubs. Donc, limiter, comme vous le faites sciemment, parce que ces informations vous ont été données lors de la commission communale d'accessibilité, limiter l'action et le soutien aux associations uniquement à la mission handicap, c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur, parce que le handicap, l'inclusion, elle est portée par l'ensemble des élus de cette majorité municipale. Et enfin, je ne rentrerai pas dans la polémique de qui est présent, de qui est absent. Je vous l'ai dit, sur ces commissions, je sais pouvoir compter sur la présence des élus lorsque des thématiques sont abordées. Nous avons, au sein de cette commission, constitué un groupe de travail concernant l'espace public. C'est grâce au service de Christophe Cotta que certaines solutions ont été apportées, et c'est bien sous son impulsion que ces solutions ont été apportées par ces services. Alors, le travail des élus, c'est bien entendu d'être aux côtés des associations, mais c'est aussi de les écouter et de faire en sorte que des réponses positives ou parfois négatives peuvent être apportées. Et là, je sais compter sur la mobilisation de tous. Parce que cette thématique, je ne suis pas la seule à la porter. Moi, je dois vous dire que j'apprécie énormément ce type d'intervention. Et je voudrais remercier Lydie Mahé, avec l'ensemble des élus des services qui y travaillent. Et j'y rajouterai quelque chose en plus. Lydie vous a dit qu'elle savait compter sur l'ensemble de la majorité municipale. Et je suis même convaincu, je l'espère en tout cas, au-delà. Vous, monsieur Duval, vous cherchez à faire de la polémique, à faire du fonds de commerce. Et monsieur Duval, vous cherchez à faire de la polémique, du fonds de commerce sur tous les sujets. Vous avez eu au moins le mérite d'apporter ce sujet et pas d'être planqué derrière les réseaux sociaux, comme vous avez pu le faire encore ce week-end, prenant la situation de l'handicap pour pouvoir taper, permettez-moi cette expression, mais vous êtes de plus en plus sur ce sujet, en dessous du niveau de la ceinture sur vos interventions. Je vous le dis ici, monsieur. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas vu à la fête du sourire, monsieur Duval. Allez. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Unanimité, donc. La délibération numéro 49. C'est la modification du règlement de formation pour intégrer le compte personnel de formation et le plafonnement des dépenses individuelles de formation relevant de ce compte. Ce sont des dispositifs réglementaires. Très bien. Délibération 49 à l'appel des commentaires. Des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. La 50. La 50, c'est la modification du régime indemnitaire sur deux points. La revalorisation des heures normales du dimanche. Il est proposé que la rémunération de ces heures, qui sont indistinguées des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié, soit majorée. Les textes réglementaires prévoient une indemnité horaire à hauteur de 0,74 €. Nous vous proposons que ces heures soient rémunérées à hauteur de 10 € brut. Sur cette délibération 50, Madame Mahé, non, continue, excusez-moi.
Et concernant les agents contractuels, par équité, simplification et clarification, il vous est proposé de mettre en œuvre le versement du régime indemnitaire dès le premier jour de présence et la prise de congé dès le premier mois dans les conditions identiques à celles des agents sur poste permanent. Et puis également, depuis la mise en place du transfert prime point pour les fonctionnaires, les grilles de référence n'ayant pas été actualisées et afin d'éviter une distorsion favorable aux agents contractuels, il vous est proposé que pour ces agents, le régime indemnitaire connaisse un abattement de l'équivalent du transfert prime point qui serait appliqué à un fonctionnaire sur le même poste, c'est-à-dire qu'ils aient le même salaire qu'un fonctionnaire titulaire. Alors, sur cette délibération 50, est-ce que ça appelle des interventions, des commentaires ? Non ? Des avis contraires ? Des abstentions ? C'est deux ou trois ? C'est deux abstentions ? Deux abstentions. La 51. C'est une convention à conclure avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique pour l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire. Délibération 51, ça appelle des commentaires, des avis contraires. Ah, Madame Van Neuren. Ah, attendez. Monsieur le maire, mes chers collègues, chacun a ses sensibilités. Et pour ma part, comme vous le savez probablement, la médiation est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Grâce à la médiation, ce n'est plus le juge qui tranche, mais les parties qui trouvent des solutions qui conviennent à tous. Ceci permet également de diminuer les contentieux. Cette tentative de médiation préalable est donc une très bonne chose et nous voterons bien entendu pour cette délibération et nous espérons que l'essai deviendra définitif. Merci. Très bien. Des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors, délibération 52 et 53. La première, c'est la modification du tableau des effectifs. C'est la transformation d'un certain poste du tableau des effectifs afin de permettre la nomination d'agents suite à réussite à concours et puis pour être en cohérence avec le calibrage de postes occupés suite à des dossiers qui ont été présentés en comité technique. Et puis, c'est la suppression des postes occupés par les agents qui sont transférés à l'école d'art, de l'école d'art de la ville à l'établissement public de coopération culturelle, comme cela a été précisé tout à l'heure par Jean-Jacques Lumeau. Et la délibération numéro 53 concerne une autorisation de signature de la convention de mise à disposition d'agents municipaux à l'école des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Sur cette délibération... Monsieur Texier. Monsieur le maire, chers collègues, Madame Maillet, tous les ans, je fais une toute petite intervention en fait, à ce sujet. Nous sommes fin juin. On est en pleine saison de recrutement de l'alternance. Vous avez aussi des obligations. Et je compte sur vous pour augmenter le taux d'alternant sur les services de la ville et au-delà des stagiaires habituels, mais vraiment sur de l'apprentissage, du contrat de pro, en fait, voilà, ce que vous pouvez mettre en place, qui est vraiment quelque chose de très formateur, qui conduit vers des compétences, vers de l'emploi, etc., plus que du stage de découverte. Merci. Merci. Vous voulez répondre, Lini ? Tu veux répondre ? Vous savez que c'est un des axes de la politique RH pour cette année et ça va me permettre de rebondir par rapport au rapport annuel pour l'accessibilité puisque nous accueillons un stagiaire qui suit une formation diplômante et qui accompagne la chargée de mission sur des dossiers techniques. Sans vouloir là aussi revenir sur les situations financières et les contraintes, parce que moi je partage votre point de vue, monsieur Texier. On a aussi une responsabilité en tant qu'employeur. Alors, à la ville, à l'agglomération, pour ma part, chez Silène, partout où on est en responsabilité, et notamment sur les grosses structures, je pense à celles que je viens de citer. Mais vous le savez, y compris par vos compétences professionnelles, c'est aussi un engagement, un investissement dont on doit le faire. Mais c'est vrai que je suis actuellement préoccupé, comme l'est bien évidemment Lydie ou le directeur général des services. Vous savez que la demande, elle est forte vis-à-vis de nos agents parce que les contraintes sont énormes
et que c'est un sujet où il doit se faire par adhésion. Et aussi la nécessité à celles et ceux qui vont prendre sous leur coupe d'accompagnement, aussi d'avoir du temps et non pas pour se donner bonne conscience de dire on accueille X individus et puis débrouillez-vous, ou pire, ça serait de la manœuvre à pas cher. Donc c'est un axe de progrès, il est réel, il est identifié, mais il est compliqué. Mais je partage, nous partageons, et je crois, j'imagine à l'unanimité, cette responsabilité sociale que nous avons en tant qu'employeurs. Autre sujet important, moi, comme vous, j'imagine, soit avec votre casquette professionnelle ou voir celle d'élu, le nombre de fois où nous sommes sollicités, soit par des jeunes, soit par les parents qui n'ayant pas de réseau, de relations ici ou là, ont du mal à ne serait-ce qu'aller chercher le stage de troisième. Et donc ça, ce sont des sujets dont on a une responsabilité particulière. Nous sommes à quel numéro déjà ? La 52. 52 et 53, voilà, c'est ça. Les deux délibérations à votre bouquet, si vous le voulez bien. Des avis contraires, des abstentions, je vous remercie. La 54. Non ? Deux abstentions. Deux abstentions, on est d'accord sur les deux, hein ? Il n'y avait pas de difficulté. Ok, très bien. Délibérations 54 et 55, ce sont des autorisations de signature de conventions de mise à disposition individuelle pour l'une d'agents municipaux entre la ville et la CAREN en ce qui concerne la gestion locative et pour l'autre pour la mise à disposition de services et services communs entre la ville et la CAREN. Pour cette délibération, ce sont des services qui concernent la direction de la logistique. Et une petite précision, un agent en contrat d'avenir va être muté vers la ville au sein de la direction logistique. Alors, sur ces délibérations, j'appelle des commentaires. On est à voter la 54. Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci, la 55. Elle était présentée. Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Approuvé à l'unanimité. La 56. La 56, c'est une autorisation de signature de la convention constitutive du Conseil départemental de l'accès au droit. Libération qui revient très régulièrement de l'accès au droit. Qui appelle pas de commentaires. Les avis. Si. Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur Boucher, excusez-moi. Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Bon, naturellement, les élus du RN et tous les élus, je pense, voteront favorablement ce nouvel avenant à la convention constitutive du Conseil départemental de l'accès au droit de la Loire-Atlantique, le CDAD, qui est un rouage important, bien que méconnu, du service public judiciaire, utile au quotidien de ses usagers, notamment par son travail de prévention et de sensibilisation. Pensons par exemple aux structures d'accompagnement qu'il organise dans tous les départements de France, ouverte à tout type de public, que ce soit de la sensibilisation au harcèlement, de l'information sur l'accès au droit en général, le droit des femmes et des familles, l'aide aux litiges de tous ordres, qu'il s'agisse de consommation, voisinage, propriété, etc. Cette délibération sur la convention constitutive du CDAD nous donne aussi la possibilité de rappeler notre position concernant l'actualité du service public judiciaire dans notre ville. Vous le savez, notre mouvement émet depuis novembre dernier de vives inquiétudes quant à la possible fermeture du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. La réforme judiciaire actuelle, qui devrait pleinement prendre effet à la fin de l'année, laisse en effet entrevoir le risque d'une fermeture de notre TGI et le transfert au moins partiel de ses activités civiles et pénales à Nantes, dans le cadre d'une départementalisation de la justice. Les orientations du projet de loi de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice déposée au Sénat le 20 avril dernier ne sont à ce titre pas de nature à rassurer malgré l'affirmation que la future loi offrira, j'ai pu le lire sur le site du Sénat, je cite, une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables. Cette réforme de la justice ne manquera pas à court terme d'en centraliser l'exercice dans un nombre toujours plus réduit de grandes villes, à commencer par les villes-préfectures. Et dans cette dynamique, naturellement, les sous-préfectures et les villes moyennes, nous le pensons en tout cas, seront mécaniquement perdantes.
Et avec un brin de malice, on pourrait d'ailleurs dire que ce n'est pas tant de la départementalisation de la justice qu'il s'agit que de la métropolisation de la justice. Il est pour nous impératif que Saint-Nazaire conserve un tribunal avec des magistrats et des greffes aptes à juger tout type de litige. Et nous qui pensons avant tout aux gens ordinaires, nous n'imaginons pas laisser demain un justiciable, parfois sans véhicule, faire jusqu'à 200 ou 250 km de route pour un aller-retour où il assistera à une audience à Rennes ou à Nantes. Ainsi, comme nous le disions par le passé, je crois que c'était en janvier dernier, les avocats du barreau nazérien ont raison de faire valoir leurs droits. Dans la pétition numérique qu'ils ont diffusée il y a quelques mois de cela, alors ils ont badiné un petit peu les avocats nazériens sur le thème « Saint-Nazaire du désert », qui serait un petit peu le nom d'un futur no man's land judiciaire aux marges d'un oasis nantais qui drainerait tout. Loin de travailler pour eux ou d'agir par corporatisme, comme on peut le lire parfois, ils œuvrent avant tout pour ceux qui ont le moins d'accès à la justice, qui sont aussi parfois ceux qui pourtant en ont le plus besoin, c'est-à-dire les populations en fragilité sociale. Et cette convention du CDAD vient de le rappeler. Merci, monsieur le maire, chers collègues, de votre écoute. D'autres interventions avant que je mette cette délibération en voix ? Des avis contraires sur le CAD ? Des abstentions ? Unanimité. La délibération 57. C'est l'autorisation de signature pour le renouvellement de deux conventions de partenariat avec l'association Handiplage pour le maintien de la labellisation Handiplage sur les sites des plages de Monsieur Hulot et Villers-Martin pour une durée de 5 ans. Allez, sur ces associations, des remarques, des avis contraires, des abstentions, merci. 58. La 58, c'est l'autorisation de signature d'une convention financière avec le comité des œuvres sociales du personnel territorial de la région nazérienne pour l'année 2018, conformément aux engagements que nous avions pris lors d'une rencontre avec l'intersyndicale au mois d'avril. Alors, sur cette délibération, il y a des demandes de prise de parole ? Alors, j'ai un tout petit problème, c'est que c'est Mme Rica qui me demande la parole et je vois la main se lever de Mme Rouget. Vous avez dû échanger vos... Alors, Mme Rica est partout. Bon, c'est Catherine Rouget qui veut prendre la parole. Eh bien, allez-y. Non, c'est celle-là que tu vas. Tu te mets là. Voilà. Allez, vas-y. Mesdames et messieurs les élus, cette délibération fait état des discussions et du fait qu'il est convenu par les deux parties que l'année 2018 a vocation à préparer une nouvelle convention triennale couvrant les années 2019 à 2022. La reprise des discussions depuis avril dernier est en effet une très bonne chose. En assemblée plénière du COS, s'il a été décidé de signer la convention proposée, c'est que dans le cas contraire, les engagements pour les vacances 2018 du personnel n'auraient pu être honorés. La signature relève donc plus de l'obligation que de la dissipation de tous les sujets de désaccord. Par ailleurs, il est précisé que contrairement aux conventions précédentes, la convention 2018 n'est plus indexée sur la masse salariale à hauteur de 1,55%, mais forfaitise le niveau d'intervention de l'employeur. Or, le maintien de la subvention pour 2018 au même niveau que celle de 2017, alors que la masse salariale augmente, n'est pas sans conséquences financières pour le COS. Ce gel correspond à une diminution de la subvention de la ville de 20 000 euros. Cette opération ampute le fonds de roulement du COS, nécessaire à ses engagements de paiement et d'encaissement. Par conséquent, cela va réduire le rôle d'amortisseur social du COS, à qui la ville employeur avait jusqu'à présent accordé sa confiance et qui semblait jusque-là correspondre à l'ambition de sa responsabilité sociale. La délibération réaffirme la conduite d'une étude auprès de l'ensemble des agents. L'étude de besoin doit conduire à une prise en compte réelle de leurs attentes.
Donc, en cohérence avec leur vote lors du Conseil communautaire du mardi 24 juin, les élus communistes s'abstiendront sur cette délibération et resteront attentifs sur la poursuite du dialogue, sur le sérieux de l'étude des besoins et la construction de réponses à la hauteur des besoins des agents dans le cadre de la Convention 2019-2022. Merci. D'autres commentaires ? Mme May, vous avez demandé la parole. D'abord, rappeler que l'action sociale est de la responsabilité de l'employeur. Il y a 60 ans, les élus ont fait le choix de confier par délégation au COS le soin de porter cette action sociale, le COS étant géré par les organisations syndicales. D'autres collectivités ont fait des choix différents. Certaines ont fait le choix d'adhérer au CNAS, qui est une instance nationale, une association loi 1901. D'autres ont fait le choix d'adhérer, en ce qui concerne notre département, au COS 44, qui est un organisme paritaire qui dépend du centre de gestion. D'autres collectivités ont fait un choix de gérer l'action sociale en régie par un service au sein de leur direction des ressources humaines. Vous évoquez la trésorerie du COS. Je vous rassure, elle est excellente. Je m'appuie sur un document qui est la réunion plénière du COS en date du 29 mars 2018. La séance plénière, c'est l'équivalent d'un conseil d'administration pour les autres associations. Il est indiqué, il faut que je retrouve juste la page. Voilà. La structure financière est bonne. La trésorerie s'élève à 576 000 euros, constituée de fonds en banque à hauteur de 382 000 euros et d'un reliquat de chèques vacances de 150 000 euros et d'une différence de dette fournisseur et créances à recevoir au 31 décembre de l'ordre de 44 000 euros. Vous avez, tout comme moi, dû recevoir à la fois un courrier du COS, mais également un PowerPoint qui a été rédigé par le comité des œuvres sociales et la Sorégor, qui est l'expert comptable de l'association. Que dit ce document ? Que la trésorerie et les fonds propres de l'association sont bonnes, que ces fonds propres, selon Sorégor, sont constitués d'apports comptables du COS du fait qu'ils n'ont pas utilisé la totalité des subventions des précédentes années. Donc, qu'on ne vienne pas dire que le COS est en difficulté financière. C'est faux. D'autre part, comme je le disais en préambule, l'action sociale, elle est de la responsabilité de l'employeur. Que cette subvention, elle est assise sur la masse salariale. Masse salariale pour l'ensemble de nos adjoints. Moi, je fais le constat aujourd'hui que la ville s'appuie pour verser la subvention sur l'ensemble de sa masse salariale, mais que par contre, le COS en nombre d'adhérents ne prend pas l'ensemble des agents de notre collectivité. Vous comprendrez qu'en tant qu'employeur, nous ayons à la fois le souci de l'utilisation du reliquat qu'il y a en trésorerie, mais également en fonds propres, et également une attention à ce que l'ensemble des agents puissent bénéficier des prestations qui sont proposées par le COS. Mais également s'interroger sur le fait que des agents font le choix de ne pas adhérer au COS. D'où l'importance qu'il y ait une étude de besoin qui soit menée, si possible en co-construction avec le COS, pour connaître leurs attentes en matière d'action sociale.
parce que en tant qu'employeur, il me semble indispensable que l'action sociale réponde au mieux aux attentes des agents. Et nous nous sommes laissés l'année 2018 pour mener à bien ce chantier. Je sais pouvoir compter sur la disponibilité du DGA RH. J'espère que le président et le bureau du COS sauront eux aussi se rendre disponibles pour mener ce chantier dans l'intérêt de l'ensemble des agents, parce que c'est ce qui guide notre action. Merci. Merci. Sur cette délibération, les avis contraires, s'il vous plaît. Les abstentions. Alors, celles et ceux qui sont porteurs de pouvoir, vous levez la main. Donc, M. Marat en a deux. Donc, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 59. 59, toujours à vous. Cela concerne l'UPAM et le compte-rendu de la conférence du 18 avril qui a principalement acté la volonté politique d'atteindre environ 45% de doré en montant issu des régions Bretagne et Pays de la Loire en année pleine à partir de l'année 2017. Vous précisez également 2019, pardon, et vous précisez également qu'aujourd'hui nous avons en montant d'achat environ 40% de nos produits qui sont issus de ces deux régions. Alors, sur ces délibérations, de ce que nous mettons dans nos assiettes, pas de remarques ? Des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Monsieur Lumeau pour la 60. Appuyez donc sur le bouton. Allez. Monsieur le maire, mes chers collègues, délibération 60, une délibération habituelle, puisqu'il s'agit d'autoriser la ville à signer la convention avec l'association Les Escales dans le cadre de l'édition de son festival sur les moyens matériels et humains mis à disposition par la ville pour la bonne réussite de ce rendez-vous culturel d'été. Pour cette délibération concernant les escales, est-ce qu'il y a des interventions, des abstentions, des votes contre ? Je vous remercie. 61. 61, il s'agit d'autoriser la mise en place d'un tarif pour la vente de cartes postales qui retraceront au travers des expositions précédentes, l'histoire de ce lieu dans le cadre de ses 20 ans. Donc alors, une série de cartes postales sera éditée, elles seront remises pour certaines à titre gracieux aux artistes et d'autres seront vendues aux visiteurs de l'exposition qui voudront bien s'acquitter d'un tarif somme toute assez modeste. Cette création de tarifs pour ces cartes postales, ça appelle des commentaires, des avis contraires, des abstentions ? Merci. La délibération 62, il s'agit de mettre en place une nouvelle tarification pour des cours que je pourrais appeler un petit peu atypiques, puisque hors cursus, le conservatoire rayonnement départemental répond à des obligations quant à son cursus éducatif. Mais là, c'est pour permettre, dans le cadre de notre volonté d'ouvrir plus largement cet établissement aux pratiques amateurs, d'avoir un cursus différent hors du cursus formation musicale, apprentissage d'un instrument. Donc il nous fallait y adosser une grille tarifaire. Je profite de cette délibération pour vous dire qu'un directeur a été nommé en remplacement du précédent qui s'appelait Jacques Hidivert. Il nous arrive de Privas, d'Ardèche, donc M. Jean-Marc Fabiano. Eh bien, nous lui souhaitons la bienvenue. Sur cette délibération, ça appelle des remarques, des avis contraires, des abstentions. Merci. La 63. La 63, il s'agit d'autoriser la signature d'une convention de fonds de concours avec la Carène. Ça a été dit ce matin, le saisie arrivant dans le premier étage du paquebot où était implanté le département danse de cet établissement. Il nous fallait donc aller plus loin que ce qu'on en avait décidé au projet stratégique, puisque le projet stratégique concernant le conservatoire ne se limitait qu'à un auditorium. On a un projet plus ambitieux. Pascal Amour en avait parlé d'ailleurs au précédent conseil sur l'appel au concours d'architecture. On y met les départements danse, et comme c'est entre guillemets une conséquence du départ de ces départements danse pour l'arrivée du saisie, la Carène nous accompagnera à hauteur de 1 million d'euros. J'en profite
pour souligner le spectacle qui a été proposé dans le cadre des 10 ans du CRD, puisque le CRD, symboliquement, il s'est créé quand on a réuni les départements danse et musique au sein d'un même établissement, mais avec deux lieux pour apprendre ces disciplines. Les interventions qui ont eu lieu au début de ce spectacle ont souligné l'intérêt de cet équipement, puisque évidemment le projet pédagogique se développera tout à fait différemment quand les deux enseignements et les deux disciplines sont donnés sur le même endroit. Ça crée des transversalités. Est-ce que ça appelle des commentaires ? Non ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. La suivante ? La suivante, c'est une convention à conclure avec la SPL Voyage à Nantes pour l'entretien des œuvres estuaires, à savoir les triangles de Varigny et le jardin du tiers paysage de Gilles Clément, sachant que c'est peut-être une subvention qu'il nous faudra éventuellement retravailler, puisque ça a été vu, l'année prochaine, nous aurons une troisième œuvre estuaire sur le port de Saint-Nazaire. Sur cette délibération 64, pas de remarques ? Des avis contraires, des abstentions ? Alors, c'est quoi, abstention ? Avis contraire. Trois avis contraires. Pas d'abstention ? Merci. La 65 ? La 65, convention tripartite à conclure entre la compagnie MUA, la ville de Saint-Nazaire et le conseil départemental pour l'accompagnement sur 3 ans d'une compagnie de danse, dont la chorégraphe est Emmanuel Huyn. Chorégraphe qui a décidé d'implanter juridiquement sa compagnie sur Saint-Nazaire, mais ce n'est pas que juridique, ça produit aussi des propositions artistiques, et le département soutient cette initiative, d'où la convention tripartite sur 3 ans qui sécurise l'action de cette compagnie, au moins pour les 3 prochaines années. Très bien. Des commentaires ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Unanimité, la 67 ? Convention à conclure avec l'Académie de Nantes pour l'organisation des classes Cham-Chad. Bon, ça ne change absolument pas le partenariat de la ville de Saint-Nazaire avec le Collège Jean Moulin. C'est plutôt sur la commission d'admission qu'il nous faut signer, mais c'est plutôt sur les prérogatives de l'éducation nationale. Donc une délibération somme toute assez formelle. Sur cette délibération formelle, pour reprendre le vocabulaire de M. Lumeau, des demandes de prise de parole ? Non. Des avis contraires ? Des abstentions ? Unanimité ? Merci. Délibération 67, c'est une demande de subvention auprès du département, service des archives municipales pour la restauration de documents d'archives. Montant, je ne l'ai plus en tête, 7 000 et quelques... Bon, pour nos archives ? 7 025,70 €. Pas d'avis contraire ? Pas d'abstention ? Unanimité ? Merci. Et enfin, la 68 ? Conservatoire à rayonnement départemental, soutien de la Direction régionale des affaires culturelles, demande de subvention pour l'année 2018 à hauteur de 85 000 €. Sur cette demande de subvention, pas de remarques, pas d'avis contraire, pas d'abstention, unanimité. Merci. Madame Bénizet, pour la 69 à 70. Vous êtes où ? Ici. Donc la 69 concerne un avenant à conclure entre les communes de La Baule, Le Pouliguen, Pornichet, Saint-Nazaire et la Société nationale de sauvetage en mer pour le recrutement des nageurs sauveteurs qui interviennent sur notre littoral. Et je vous rappelle que dès demain, les postes de secours sur nos 5 plages ouvriront leurs portes et donc la saison démarre. Donc, sous le soleil. Voilà, il s'agit de signer l'avenant pour la SNSM. Alors, sur cette délibération 69, pas de remarques ? On vous garantit le soleil tout l'été. Alors, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. La 70. La 70, depuis 1969, la ville de Saint-Nazaire et la ville de Sarre-Louis sont jumelées. Nous fêterons les 50 ans de ce jumelage donc l'année prochaine. Dans ce contexte, nous souhaitons participer de manière conjointe à l'échange de volontaires et de jeunes ambassadeurs ayant pour mission d'animer des échanges citoyens et de participer à l'organisation de cet événement des 50 ans. Ce projet s'inscrit dans le cadre du volontariat franco-allemand entre la FCCRE, l'Agence française du Conseil des communes et régions d'Europe, en lien avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse et l'Agence française du service civique. Il y aura un jeune Français ou une jeune Française à Sarre-Louis et
un jeune Allemand ou une jeune Allemande à Saint-Nazaire pour préparer ces échanges. Et je vous demande donc l'autorisation de conclure à cette convention de service civique. Cette convention qui a non pas animé nos débats, mais nos échanges avec Monsieur le maire de Saint-Louis, dont on avait plaisir à le recevoir semaine dernière. Et je crois qu'il nous faut justement préparer ce 50e anniversaire et se projeter plutôt sur un temps long avec une équipe, j'ai envie de dire, entre le comité de jumelage, les élus et toutes celles et ceux qui accompagnaient la délégation de Saint-Louis et les Nazériennes et Nazériens qui accueillent dans leur famille. Un bon moment de plaisir et je crois qu'il était partagé. J'ai une demande de prise de parole ? Ah, même deux. Allez, monsieur Texier. En une phrase, monsieur le maire, madame Bénizet, je trouve l'idée excellente pour tout un tas de raisons. La symbolique, le partage, l'échange. Ouais, merci. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais merci. Quel esprit de synthèse ! Merci. Je vous le dis gentiment. Monsieur Boucher. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le Rassemblement national se prononcera en faveur de cette convention relative donc à l'échange d'ambassadeurs dans le cadre d'un volontariat franco-allemand d'une année. Nos élus émettent toutefois des réserves quant à la formulation de certains termes dans le présent rapport. Ainsi, vos services indiquent en introduction de cette délibération que le jumelage Saint-Nazaire-Saint-Louis représente un cadre pour des initiatives ayant par exemple pour objet la promotion de la citoyenneté européenne, ce qui est assurément une analyse très large de ce que doit être un jumelage, c'est-à-dire avant tout un échange culturel réciproque, sans visée idéologique comme ici la promotion d'une forme de citoyenneté. Puisque cette citoyenneté européenne, nous y revenons encore, n'existe pas selon nous, car il n'y a pas de peuple européen unique, mais une diversité de peuples en Europe. La citoyenneté européenne n'existera pas d'ailleurs tant que n'existera pas, par rapport aux actuels États européens, non plus au-dessus d'eux, mais en remplacement d'eux, une construction supranationale unique. La citoyenneté européenne serait à l'avenir celle d'un État européen unique, qui pourrait alors fondre les différents peuples d'Europe en un seul. Elle ne pourrait être cela, et nous ne souhaitons bien sûr que cela n'arrive jamais, car nous sommes trop attachés à la France. Cette délibération sur le lien qui nous unit avec Saint-Louis devrait également nous permettre d'évoquer la question des jumelages unissant notre ville au reste du monde. L'examen de ceci montre que Saint-Nazaire est quasiment essentiellement jumelé à des villes européennes, c'est-à-dire outre Payac dans le Morbihan, Avilés et Sunderland. Seul Longueuil, au Canada, sort du cadre. Saint-Nazaire qui ouvre et personne ne ferme, selon sa devise « Aperit et nemo claudit », ne s'ouvre donc avant tout qu'à des jumelages européens. Ces jumelages sont naturellement une richesse pour Saint-Nazaire et doivent être préservés. Il ne reste pas moins que, comme dans beaucoup de villes, ils traduisent une conception encore un peu figée de l'espace mondial, réduit à la seule Europe, qui n'est pourtant plus le centre du monde. Bien sûr, il n'en était pas ainsi par le passé. Par exemple, quand nous avons conclu ce jumelage avec Saint-Louis, vous l'avez rappelé en 1969, mais cela ne nous interdit pas d'évoluer. Une démarche d'élargissement de notre horizon ne consisterait-elle pas, à ce titre, à rechercher des jumelages avec d'autres villes, avec différentes villes du monde, par exemple, au moins une ville par continent ? La transformation des accords de coopération associant Saint-Nazaire aux villes de Cienfuegos, Criby et Progreso, en jumelage plein et entier, si ces villes le souhaitaient bien sûr, pourrait participer à cela, à cet élargissement de notre horizon. Il ne manquerait alors qu'un jumelage avec une ville d'Asie et d'Océanie, et dans ce cadre, il pourrait être fait le choix d'approcher des pays ayant des minorités de langue française, ce qui nous permettrait également de donner à ces jumelages une dimension d'éveil à la francophonie, en plus que d'être une ouverture au monde. Voilà, monsieur le maire, quelques suggestions. Monsieur le maire, chers collègues, merci de votre attention. Merci. D'autres interventions avant que Gaël vous réponde, puis je vous donnerai mon sentiment. Madame Bénizet. Oui,
juste un mot. Effectivement, la délibération commence. Depuis 1969, le jumelage entre nos deux villes, Saint-Louis et Saint-Nazaire, constitue un cadre pérenne et fonctionnel à des initiatives ayant notamment pour objectif la promotion de la citoyenneté européenne auprès de nos plus jeunes concitoyens. Eh bien ça, ça fait partie de la charte qui a été signée entre les deux maires en 1969. Donc c'est pour ça que c'est repris dans la délibération. Et je pense que c'est toujours d'actualité, Monsieur Boucher. Il faut parler de l'Europe des citoyens, parce que c'est extrêmement important. Et puis de faire connaître les cultures, mais au-delà des cultures que l'on peut avoir sur ce continent, les savoir-faire, les savoir-être de chaque pays est important. Nous venons de fêter les 65 ans du jumelage avec Sunderland et nous allons relancer de nouvelles actions avec cette ville de Sunderland. Au-delà de l'éducation nationale avec qui nous avions l'habitude de travailler, maintenant c'est Jeunes en Ville qui s'investit largement dans ce jumelage. Et je considère que l'échange entre les jeunes est extrêmement important, mais pas que. Nous avons beaucoup d'échanges dans le tissu associatif avec nos villes jumelles européennes, effectivement européennes. Mais c'est extrêmement important. Et ce tissu associatif part simplement sur le cadre bénévole et d'une vraie volonté de leur part de s'investir, que ce soit avec Avilés, que ce soit avec Saint-Louis, que ce soit avec Sunderland. Des fois même, c'est avec deux jumelages, des fois même, c'est avec les trois jumelages, et c'est extrêmement important. Et on doit les remercier de toutes les actions qu'ils peuvent faire, effectivement. Pour ce qui concerne les autres continents, je vais laisser Monsieur le maire. Bon, moi, je dois vous dire, j'ai les trois villes européennes que vous avez évoquées. Il faut que j'aille me rendre à Avilés. Je n'y ai toujours pas été. Vous savez, un mandat passe assez vite et le temps du premier est important, mais ce n'était pas une des priorités. Mais c'est un sujet que je dois regarder, au même titre que je n'ai pas été en Angleterre. Gaël a été semaine dernière, non, il y a 15 jours. Tu as reçu. Gaël était l'année dernière et moi-même étant à Québec pour les affaires portuaires, je ne pouvais être présent. Oui, il y a un sujet de rapprochement, de coopération, de jumelage, je n'en sais rien, avec des villes hors cadre européen. Oui, bien sûr, il y a des sujets. Mais pour ma part, y compris, on regarde aussi la situation financière, il faut trouver la belle coopération, tant sur le fond, et qu'on soit vraiment dans des échanges. Alors, il y a eu quelques contacts, il y a quelques sujets. Je dois vous dire, s'il y a un mandat prochain, c'est un sujet que je regarderai pour le mandat prochain. Parce que je n'aurai pas le temps avant la fin de celui-ci. Voilà, mais il y a un sujet, c'est exact. Sur cette délibération qui porte le numéro 70, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. La délibération 71, c'est M. De Garal qui va nous la présenter. Monsieur Degarral, appuyez donc sur votre bouton. Hop, merci. Oui, juste deux phrases avant de présenter cette délibération pour rebondir sur la précédente. Nous sommes plusieurs, nombreux, à penser, à avoir la faiblesse de penser que ce machin qu'est l'Europe est quand même un gage de paix. Et il faut le prononcer, on parle de citoyenneté et de paix entre tous les citoyens européens et ça passe par la jeunesse. Et toutes les actions qui sont faites ne sont que salutaires pour nos jeunesses, il me semble. Alors, donc la délibération 71 est une délibération administrative et technique sans grande incidence directe pour notre municipalité. Ce sujet a déjà été évoqué lors d'un précédent conseil municipal, notamment en décembre 2012. Elle a trait au transfert de biens de la ville de Saint-Nazaire à la Carène dans le cadre de sa compétence insertion. Ces biens concernent l'activité de structure d'insertion par l'activité économique qui emploie des personnes éloignées de l'emploi et favorise ainsi leur retour dans l'emploi durable. Ceci permet de souligner le rôle important d'une association dont on a souvent souligné l'importance ici, et notamment l'implication et l'engagement de notre ville dans les politiques sociales auprès de nos concitoyens les plus en marge. Car la principale structure concernée est celle de l'association ASC, Association Solidarité Création, qui gère entre autres le restaurant social, le Trait d'Union et le Serdom Portage de Repas à Domicile.
Cette relocalisation est inscrite dans le plan d'action annexé à la délibération cadre sur la fabrique des politiques sociales, dont on a beaucoup parlé ici il y a quelques mois. En effet, les conditions de travail sont très difficiles, les locaux que vous connaissez peut-être près de la sous-préfecture obsolètes, l'exigence de normes de sécurité pour l'accueil du public, bien entendu, de plus en plus importante, imposait cette relocalisation dans un lieu plus vaste et adapté à ce type d'activité. Je rappellerai en conclusion que tout ceci témoigne de la volonté de la municipalité et de son engagement pour promouvoir la dignité et le respect des usagers, ainsi que des bénévoles et des personnels en insertion. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Guéral. Sur cette délibération, est-ce que ça appelle des commentaires particuliers, des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Madame Clément pour la 72. Elle est où, Pascal? Il faut appuyer sur le bouton vert, s'il vous plaît. La 72, c'est en fait une convention entre le centre hospitalier et la ville de Saint-Nazaire pour la PASS, qui est la permanence d'accès aux soins et de santé, qui a lieu au Carrefour des Solidarités pour les personnes les plus démunies, un mercredi par mois. Merci pour cette synthèse. Et j'imagine qu'il y a unanimité sur cette... Non, il y a une prise de parole? Monsieur Blanchard. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe Saint-Nazaire Bleu Marine votera cette convention. Pour les personnes sans couverture sociale, bien sûr, et pour favoriser l'accès aux soins pour les Nazériens en situation de précarité. Ce qui nous inquiète dans ce texte, c'est l'ouverture de cette convention aux bénéficiaires de l'AM, l'aide médicale aux migrants clandestins économiques, favorisant ainsi par un message subliminal l'immigration clandestine dont souffrent notre pays et l'Europe en général. Faire croire à des millions d'êtres humains que notre pays a les moyens et la volonté d'accueillir des milliers de migrants économiques pour les loger, les soigner, leur trouver du travail est un leurre, un mirage. Non, Saint-Nazaire et la France en général ne peut pas accueillir toute la misère du monde, proclamait un Premier ministre socialiste, Michel Rocard, en 1989. Phrase reprise par le président Macron le 21 novembre 2007. Je rappelle que l'AM coûte à la nation 1,5 milliard d'euros. Nous voterons malgré ça... Excusez-moi, monsieur Blanchard, je vous coupe parce que j'ai mal entendu. Qu'est-ce qui coûte 1 milliard? L'AM. L'AME. Nous voterons malgré cela cette libération pour ne pas pénaliser les Nazariens les plus démunis. Merci, monsieur le maire. Merci, mes chers collègues. D'autres interventions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Libération numéro 73, monsieur Cotta. Merci. Délibération qui vise à nous autoriser à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental pour le financement du plan vélo, dont j'espère que vous voyez l'avancement à travers la ville. Nous tenons nos engagements. L'année 2018 est celle consacrée à l'itinéraire qui relie le centre-ville au centre-bourg de Saint-Marc, et des travaux très importants sont encore en cours, chemin de percée pour les finir. Et grâce également à une négociation qui a pu se faire avec le Conseil départemental sous l'autorité de Frédéric Lecomte, nous avons réussi à négocier un passage le long du collège Albert Vincent qui va nous éviter d'avoir à creuser sous la route telle qu'on l'avait prévu au début, et donc à réduire la facture des dépenses de la ville à ce sujet, ce qui est une très bonne nouvelle. Et puis, vous le voyez également, la contournante devrait terminer cette année, c'est-à-dire un cheminement vélo entre Sautron et le boulevard de l'Europe. Voici le programme avant d'attaquer celui de 2019 qui est consacré au lien entre le centre-ville de Saint-Nazaire et Méhan-Parouette avec l'aménagement notamment du boulevard Leferme. Ça avance. Cette délibération 73 appelle des commentaires. Oui, monsieur James, vous avez la... Monsieur le maire, mes chers collègues, en ce qui concerne le plan vélo, notre groupe approuve
bien sûr ce qui a déjà été fait, notamment depuis quelque temps, les marquages bien visibles des bandes cyclables sur certains axes. Néanmoins, nous pensons que c'est encore insuffisant. Il reste en effet de nombreuses voies où les cyclistes ne se sentent pas en sécurité dans notre ville, notamment en ce qui concerne les rétrécissements des chaussées, les giratoires ou encore les zones de rencontre. On doit pouvoir aller de partout à n'importe où, à vélo, en ayant un sentiment de cohérence et de continuité. Serait-il possible, monsieur le maire, de faire régulièrement un point concret, peut-être en termes de pourcentage de réalisation par rapport aux objectifs fixés en 2015, afin de mieux visualiser l'avancement de ce plan vélo? Merci. D'autres prises de parole avant que je redonne la parole à monsieur Cotard? C'est bon? Monsieur Cotard, reprenez la parole. Votre préoccupation est légitime, c'est la nôtre également. Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans les itinéraires, dans les circuits que l'on peut emprunter les uns et les autres pour se rendre d'un point A à un point B? Mais le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas celui que nous avons décidé nous, c'est celui qu'a décidé l'ensemble de la concertation que nous avons faite durant l'année 2015 avec l'ensemble des habitants de Saint-Nazaire, mais également avec un certain nombre d'associations. Et tout à l'heure, à 17h, Frédéric Lecomte, si on n'a pas fini, devra nous quitter parce qu'il va rencontrer justement le comité de suivi qui avait été installé et prévu à l'occasion de cette concertation, qui vise justement à faire avec les services, nous élus, et puis ses usagers, le bilan et quelquefois les plus et les moins de ce qui peut être dans la ville fait afin de déterminer la marche à suivre pour les mois qui viennent, mais en gardant quand même le cap qui est fixé collectivement, c'est-à-dire trois itinéraires principaux, Saint-Marc, l'Immaculée, Méhampin-Ouette. Le reste, on le traite, notamment quand on fait des réfections de voirie. Et quand j'évoquais tout à l'heure la question de la contournante, c'est-à-dire Sautron jusque quasiment le boulevard Leferme, c'est des travaux qui sont en cours. Il y en a d'autres d'ailleurs qui vont venir cet été, qui visent d'abord des réfections de voirie parce qu'elles sont importantes sur cet itinéraire parce qu'il était très dégradé, mais qui systématiquement derrière nous permet d'amener la présence du vélo, notamment par des bandes cyclables. C'est la stratégie que nous avons systématiquement de faire en sorte que le vélo soit présent dans la ville. Bientôt, on aura la généralisation, comme c'est prévu dans le plan vélo, du tourne à droite à certains carrefours stratégiques. Systématiquement, quand on met une voie en sens unique, il y a le double sens cyclable pour permettre là également au vélo de pouvoir l'emprunter. Donc on a cette stratégie, mais en gardant le cap de respecter la concertation qu'on a eue avec l'ensemble des usagers. Merci pour ces explications. Cette délibération n'a pas été votée. Y a-t-il des avis contraires sur la délibération numéro 73, plan vélo? Pas d'avis contraires, des abstentions? Merci. La 74. Autoriser la signature d'une convention financière avec le groupe Lamotte pour participer à la réfection de la rue Cardurand suite aux interventions qui ont été nécessaires dans cette rue très dégradée à l'origine, qui l'est encore davantage et pour laquelle la ville prend un petit peu sa part de responsabilité en participant financièrement à hauteur de 28 000 euros. Accord, me semble-t-il, intelligent. Pas de remarques, des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. 75. La 75, une délibération que j'aime bien présenter parce que systématiquement, on peut donner du sens aux villes, à la ville et aux rues dans lesquelles nous vivons les uns et les autres. Et la commission toponymie vous fait des propositions que je souhaite que vous puissiez accepter. Je vais relever la biographie de quelques femmes principalement. Il y a Colette Magny qui a fait l'unanimité dans la commission parce que ici nous voulions rendre hommage à une grande militante, une artiste engagée. Alors elle a un tube Mélocotone très connu, mais pour autant une œuvre musicale qui dès les années 60 a été fortement marquée par la lutte contre la discrimination raciale, les violences policières, la société de consommation et l'épuisement des ressources, des thèmes qui déjà dans ces années-là étaient au cœur de son engagement militant. Il y avait la lutte contre la guerre du Vietnam, tout ça à travers un répertoire jazzy, blues, negro spiritual. Donc il y avait pour nous beaucoup de sens à donner en nommant une rue au nom de cette femme. Et je vais également parler d'une autre et de quelques autres. C'est notamment Annie Depen. Il y avait un sens également de lui donner une rue, puisque c'est une journaliste extrêmement engagée pendant la guerre 14-18, puisqu'elle est allée directement dans les tranchées. C'est une des premières journalistes à s'être rendue sur un champ de bataille. Elle a rendu compte aux hommes de l'arrière et au peuple de l'arrière ce qui se passait réellement dans ces tranchées. Et donc, il y a un lien, évidemment, avec l'avenir américain.
américaine qu'on vient de finir. Et puis, comme on est à l'entrée de l'été, je vais vous inviter à lire un livre sur la plage, une biographie absolument magnifique de Colette, dans laquelle vous découvrirez donc Annie de Pen, mais également Musidora et Marguerite Moreno, qu'on a nommé sur la résidence Silène, il y a deux voies, qu'on a nommé à Saint-Marc. Et vous découvrirez vraiment la vie de femme dans le monde de la littérature et des arts des années 1910-1920, dans lesquelles elles ont vraiment affirmé une personnalité, une insoumission, une révolte, et puis également leur passion en étant des femmes libres dans un monde qui ne l'était pas beaucoup ouvert. Mais dès ces années 20, dès ces années 10, elles ont vraiment, par leur personnalité, marqué l'histoire des arts. Et je vous invite vraiment à lire ce livre et sans doute dans toutes les bonnes librairies qu'on connaît à Saint-Nazaire, une biographie donc qui s'appelle « Colette et les siennes » de Dominique Bonnat. Vous vous régalerez. Et avant de vous donner la parole, si les uns les autres souhaitaient réagir, je voudrais vous dire et reprendre l'expression que j'avais utilisée dans le précédent conseil municipal, si j'ai bonne mémoire, en vous disant « je m'exprime sans filet ». J'ai bien fait de prendre cette précaution oratoire parce que le filet va me rattraper. Je vous avais exprimé le souhait que Madame Simone Veil, qui rentre au Panthéon aujourd'hui, que son nom puisse être adossé à la cité sanitaire. Et il s'avère que j'avais oublié, je crois comme pas mal d'entre nous, manifestement, que la cité sanitaire s'appelle la cité sanitaire Sherpak. Et qu'il est hors de question de débaptiser cette cité sanitaire qui a été baptisée, voilà, 4 ans. Bon. Bon, en clair, je vous adresse non pas une boîte à idées, mais il faut, de mon point de vue, je me mettrai bien comme objectif avant la fin de ce mandat qu'on puisse trouver un lieu. On l'a en magasin. Pour que Madame Simone Veil puisse trouver. Et si vous avez des bonnes idées, je suis ouvert, nous sommes ouverts, et notamment Christophe, qui préside cette commission toponymie. Donc je tenais à vous faire. À vous informer que ce que je vous ai dit était une bêtise. Non pas sur Simone Veil, mais que le nom n'était pas possible. Monsieur Boucher. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Brièvement, le 13 avril dernier, en séance du conseil municipal, nous vous avions demandé si notre ville pouvait s'engager à ce que lors d'un prochain vote relatif aux dénominations de voirie, donc comme aujourd'hui, une rue ou un édifice public porte le nom d'Arnaud Beltrame, qui était ce colonel de gendarmerie qui s'était sacrifié à la fin du mois de mars à Trèbes face à un terroriste islamiste. Et je crois, j'avais cru comprendre, que vous indiquiez alors une réponse plutôt favorable. Un vote de ce type étant cet après-midi à l'ordre du jour, nous vous demandons donc ce qu'il en est et si cette promesse sera tenue. Plusieurs communes ont d'ores et déjà apposé des plaques en l'honneur du colonel Beltrame ou renommé des rues, et nous pensons que beaucoup de Nazériens aspirent à ce qu'il en soit ainsi dans leur ville. Merci par avance de votre réponse. On vous répondra, on vous confirmera les propos du conseil municipal du mois d'avril. Monsieur Texier ? Oui, monsieur le maire, chers collègues, de la même manière, en fait, nous voulions vous rappeler l'idée de Jacques Higelin. Et apporter une idée nouvelle, pourquoi pas imaginer avoir une rue, ou en tout cas enfin, faire apparaître dans Saint-Nazaire le nom de Gertrude Vanderbilt, qui est en fait la sculpteuse de la statue de la liberté pour la France, qui est à Saint-Nazaire et qui est aujourd'hui appelée le SAMI depuis un certain nombre d'années. Voilà, merci. Très bien, je vais redonner la parole à Christophe Cotta qui va vous répondre sur l'ensemble des propositions ou en tout cas interrogations. Les deux propositions qui sont formulées cet après-midi nous conviennent l'une comme l'autre. Maintenant, la commission a le soin également de vérifier que le nom corresponde à l'environnement. Voilà, donc c'est pour ça que M. Beltrame n'est pas encore aujourd'hui. Une rue n'est pas encore dénommée, mais ça viendra le moment venu. De la même manière que nous avons Jacques Higelin, ça viendra le moment venu. On a déjà quelques idées, peut-être trop tôt de les dire cet après-midi, mais on a déjà une bonne idée pour Jacques Higelin. Donc on a Simone Veil, évidemment. Je peux rappeler aussi qu'on a toujours
a nommé une voie ou un bâtiment du nom de Jean-Paul Sartre, puisqu'il a perdu le sien avec les travaux du Fanal, qu'on a aussi Salvador Allende, puisque la place qui était devant la Maison du Peuple n'existe plus et que nous pensons qu'il est important qu'il garde un espace à son nom. Donc voilà, il y a comme ça tout un nombre de propositions qui sont faites. On ne peut pas toutes les satisfaire à chaque fois que des voies sont dénommées, parce que quelquefois, la voie n'est pas au bon endroit ou n'a pas la dimension nécessaire pour la personnalité que nous voulons honorer. Mais tout ça n'est pas du tout oublié, loin de là. Tout le monde est rassuré ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. La délibération 76, les frelons asiatiques. Frelons asiatiques, il s'agit de renouveler la convention avec la FGDEON pour la prise en charge financière de la lutte contre le frelon asiatique quand il y a découverte d'un nid dans un espace sur lequel il y a une nécessité d'intervenir. Donc la reconduction de ce que nous faisons aujourd'hui en direction de la lutte contre ce nuisible. Allez, on se rassemble tous contre le frelon asiatique, pas de souci, pas d'avis contre. Si, vous voulez prendre la parole ? Monsieur Goda, si on pouvait ajouter au frelon asiatique les chenilles processionnaires. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Là encore, on est dessus, mais tous les ans. Il y a un plan de lutte, c'est compliqué. Mais ça revient tous les ans. Ça, c'est sûr. Des avis contraires ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 77, monsieur Perrin. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit d'approuver une évolution de la grille tarifaire de nos centres de loisirs. Ils évoluent car nous enrichissons l'offre en proposant désormais des nuitées, des moments de vivre ensemble qui sont intéressants. Le service n'existait pas jusqu'à présent, donc il n'était pas tarifé. Et il s'agit donc de créer ce tarif et c'est ce que nous vous proposons. Naturellement, le principe de coefficient qui s'applique à l'ensemble de nos tarifs est maintenu. De manière à pouvoir permettre l'accès au plus grand nombre. Vous avez dans la délibération les détails, les tarifs qui iront de 1,54 à 11,40. Je précise que même au tarif le plus haut, c'est-à-dire à 11,40 €, la ville participe quand même au coût de l'accueil de l'enfant de la famille concernée. Sur cette délibération 77, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Des avis contraires ? Des abstentions, unanimité, 78. Accueil de loisirs, évolution du ou des règlements de fonctionnement. Nous rencontrons, alors ça a été répété déjà plusieurs fois aujourd'hui, une augmentation conséquente de la fréquentation de nos structures, que ce soit sur le périscolaire ou l'extrascolaire, résultat de la croissance démographique, de la situation de l'emploi qui est meilleur qu'il y a un temps, et puis d'une offre qui semble aujourd'hui pour les familles, en tout cas lorsqu'on les interroge, adaptée et qui est mise en œuvre par des agents qualifiés. Alors face à cette augmentation, nous créons évidemment de nouvelles places. Il y aura 96 places créées dès l'été prochain pour accueillir cette augmentation des effectifs. Nous allons également offrir davantage de souplesse aux parents en supprimant la sectorisation, de sorte que les enfants ou les familles puissent inscrire leurs enfants sur l'ensemble des centres de loisirs de la ville. Pour autant, il y a un autre levier que nous avions déjà actionné, pas suffisamment visiblement. Il s'agit d'une plus grande responsabilisation des parents indélicats, pas de tous les parents, mais des parents indélicats qui inscrivent leurs enfants mais qui finalement ne les dépose pas le jour dit et qui, ce faisant, empêche d'autres enfants d'être admis. C'est pourquoi nous proposons de faire évoluer ce règlement intérieur en proposant des pénalités et la possibilité de suspendre les jours de réservation que la famille avait pu poser. Évidemment, naturellement, comme nous le faisons avec bienveillance, ces sanctions ne seraient appliquées qu'au bout d'énormément d'échanges dans la proximité avec les directeurs de centre afin que les familles ne se retrouvent pas dans cette situation-là. Mais en même temps, à la fin des fins, c'est bien leur responsabilité que nous ferons appel. Voilà, donc le détail est dans la délibération et nous profitons de ce vote et d'être réunis aujourd'hui pour faire aussi évoluer légèrement d'autres règlements de fonctionnement de manière à ce qu'entre les ALSH, les TPE, etc., on ait plus de cohérence. Merci. Ça appelle des commentaires ?
Non, manifestement. Des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. La 79 ? La 79, toujours dans cette logique d'augmentation démographique. Vous voyez que c'est un sujet d'aujourd'hui, ce sera un sujet également demain. Nous recherchons des solutions multiples. Il n'y a pas qu'une solution, il y en a beaucoup pour pouvoir maintenir des conditions d'accueil qui soient acceptables dans les écoles. En l'occurrence, l'école Châteaubriant, pardon, qui est aujourd'hui bien remplie, on ne peut même pas ouvrir de classe là-bas. Et le nombre d'élèves fait que même les conditions de leur accueil, ce qu'ils peuvent vivre dans les cours de récréation ou au restaurant scolaire, sont aujourd'hui complètement utilisées. Nous avions certaines familles qui habitaient à Saint-Marc, finalement plus près de l'école du Pouligou, l'école de Pornichet, que de l'école Châteaubriant. Certaines d'entre elles nous demandaient, pour des raisons parfois pratiques, de pouvoir bénéficier d'une dérogation et aller dans cette école. C'est totalement hors critère pour la convention, la commission pardon, qui donne son avis sur les demandes de dérogation. Et pour autant, c'était intéressant à la fois pour les enseignants et les personnels qui sont à l'école Châteaubriant, mais aussi pour ceux qui sont à l'école du Pouligou. C'est pourquoi nous sommes rapprochés de la commune de Pornichet dans une logique d'optimisation des moyens à l'échelle intercommunale pour arriver à cette convention qui permettra aux familles qui le souhaiteraient de pouvoir s'inscrire à l'école du Pouligou, mais sans être considérées comme hors commune, et donc de pouvoir ainsi bénéficier des tarifs, par exemple de la cantine, par exemple de l'accueil périscolaire, en n'étant pas des enfants hors commune, mais avec les tarifs des petits pornichetins, et notamment les tarifs liés au coefficient familial. Voilà, j'ai trouvé intéressant. Alors, ce n'est qu'une petite solution parmi d'autres pour pouvoir maintenir des conditions confortables et acceptables dans nos écoles. C'est une expérience, c'est une innovation, elle est plutôt bien vue par l'Académie. Nous signons cette convention pour 3 ans et puis nous l'évaluerons, tout simplement. Alors, sur cette autorisation de signature, est-ce que ça appelle des remarques, des avis contraires, des abstentions, unanimité? Je vous remercie, je vais passer la parole à Madame Girard. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de la délibération 80, qui est une délibération maintenant très courante. Il s'agit donc de l'examen des demandes de subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations pour un montant de 2 382 597 euros. Vous avez la liste jointe. Tout un tas d'associations et d'organismes sont cités. Beaucoup d'associations sportives, c'était prévu en ce conseil municipal du mois de juin. Un certain nombre également de subventions liées à des actions menées par des associations dans le cadre de Saint-Nazaire côté plage également. Et puis tout un tas d'autres subventions exceptionnelles à diverses associations. Excusez-moi, madame. Sur les subventions et contributions, ça appelle des remarques ? Monsieur Blanchard. Monsieur le maire, mes chers collègues. Attendez, vous n'avez pas le micro encore. Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe Saint-Nazaire Bleu Marine ne votera pas ces subventions. Nous nous abstiendrons. En effet, comment comprendre que parmi ces 80 subventions à des clubs sportifs, associations culturelles, syndicats, maisons de quartier, demandes totalement justifiées, que nous approuvons, se glisse subversivement une subvention exceptionnelle de 5 000 euros à une fête des nouvelles. La fête des nouvelles est la fête du Parti communiste du département et du journal qui s'en revendique, comme le revendique bien entendu le Parti communiste. Glisser discrètement une subvention déguisée à un parti politique même proche de vos idées nous semble une ratatouille inadmissible et non cohérente. Ce qui amènera notre abstention, à moins que vous acceptiez de dissocier cette subvention des autres. Merci mes chers collègues. Pas plus que toute autre association ou toute autre subvention, cette subvention ne sera pas dissociée. Mais avant de vous répondre sur le fond, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Sur un vote. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, quelques mots sur suite à cette intervention de l'extrême droite. L'extrême droite considère ou pense qu'il y a un os à ronger sur cette question. Moi, je voudrais répondre à ces propos en parlant histoire, en parlant
culture, en parlant militantisme, en parlant rayonnement de la ville. Alors commençons par l'histoire. Oui, depuis 1977, les Nouvelles de Loire-Atlantique, le journal départemental de la Fédération du Parti communiste français de Loire-Atlantique, organise cette fête en accueillant plusieurs milliers de personnes dans ce beau cadre qu'est le parc paysager. Et donc depuis longtemps, nous effectuons une location de matériel au niveau de la ville de Saint-Nazaire, donc une location facturée. Et cette année, la ville de Saint-Nazaire n'était pas en capacité de répondre aux locations que l'on fait depuis plusieurs années sur un même type de matériel. Et nous avons dû avoir recours à des prestataires privés pour effectuer ces locations. Alors je sais bien que beaucoup de forces politiques nous envient sur cette capacité à organiser cet événement qui mélange bien sûr les questions politiques, de débats, de meetings, mais aussi de concerts, mais d'expositions et puis d'expression clairement de solidarité. Et d'ailleurs, dans cette édition 2018, il y avait un événement important qui était le concert de Little Bob, qui était un concert attendu par un public de Nazériens et au-delà de Saint-Nazaire, qui était attendu et qui a rencontré un vif succès. Mais cet événement, qui s'inscrit comme un événement culturel dans notre ville, c'est aussi le résultat d'un engagement militant important, de haut niveau, et j'associe aussi les intermittents du spectacle qui travaillent à nos côtés dans la réussite de cet événement. Et puis, cet événement, c'est aussi l'occasion pour des personnes issues du département de découvrir notre ville, de découvrir cette destination et qu'en venant à cette fête, ils découvrent aussi son front de mer. Et en tout cas, ça devient pour eux une destination touristique dans les mois, dans les semaines qui suivent. Et j'en connais même qui ont découvert notre ville à l'occasion de cette fête des Nouvelles et qui sont venus y habiter depuis. Donc cette ville, oui, participe au rayonnement aussi de notre ville. Et puis participe aussi à l'activité économique et dans le domaine, bien sûr, commercial, mais aussi dans le domaine de l'hôtellerie et puis aussi dans le domaine de la production agricole, parce que oui, cette année, nous avons été en capacité de solliciter des producteurs locaux pour effectuer une vente de fruits et légumes à prix coûtant, un acte de solidarité concrète qui nous a permis de vendre à prix coûtant plus de 800 kilos de fruits et légumes à l'occasion de cette fête. Donc cette fête a une histoire sur notre ville et nous avons bien la détermination, l'ambition de lui donner un bel avenir. Je vous remercie. Et deux choses. D'une part, M. Blanchard, alors je ne sais plus comment vous appelez puisque M. Boucher parle de RN, vous parlez de groupe Bleu Marine. Prévenez votre voisin de gauche alors. Mais là n'est pas le sujet. Oh, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas le micro. Attendez, je vous rappelle le règlement intérieur. Il y a deux choses. D'une part, vous avez eu les éléments de réponse que je partage. Mais le terme s'est glissé fortuitement une association. Monsieur Blanchard, vous avez relevé d'ailleurs ce point lors d'une commission qui s'est réunie lundi ou mardi, si j'ai bonne mémoire. Et si la municipalité, si la ville, si j'avais souhaité la cacher, la planquer, alors on regarde un montant de 5000 euros, croyez-moi qu'il y a d'autres dispositions pour le faire. Et moi, j'aime bien les choses claires. Alors, ça passe au vote. Ça, c'est le premier point. Et j'ai aussi, sur ce week-end de la Pentecôte, comme vous l'a dit Monsieur Renovot, une saturation des services, très, très clair, hein, qui font que ce que nous faisions depuis 1977 dans cette ville n'était plus possible et que du coup, dans un accord, les services ne feront plus, mais cette subvention qui est présentée en cette fin d'après-midi au conseil municipal. Le deuxième point, par rapport à votre intervention, M. Blanchard, est-ce que je peux écrire au PV, enfin faire écrire au PV, que vous seriez d'accord avec l'ensemble de la délibération, sauf sur la subvention, faites des nouvelles. Reprenez donc le micro pour pouvoir me répondre afin que ça soit au PV, s'il vous plaît. Oui, attendez, demandez-moi la parole, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Oui, monsieur le maire, je confirme que nous voterions autrement, sans aucun problème, les subventions aux 80 autres demandes pour les clubs sportifs, syndicats, etc. Sauf cette demande
qui s'est glissé, cette subvention pour le Parti communiste qui s'est glissée dans cette délibération. Bien, donc je vais mettre cette délibération que nous n'allons pas réécrire. Et je note que vous votez l'ensemble des subventions, sauf celle de la fête des nouvelles. Donc vous allez vous opposer à cette délibération, mais s'il n'y avait pas eu, vous auriez voté l'ensemble. Y a-t-il, hormis le groupe Le Marine, le groupe d'extrême droite, allez. Y a-t-il, vous citez vous-même régulièrement, donc moi je pas, faut assumer. Écoutez, comme vous êtes Monsieur Blanchard, j'imagine un lecteur, je dois vous dire ici que j'ai adhéré au Parti socialiste en 1988 et que j'ai toujours payé mes cotisations jusqu'à ce jour. Je suis à jour de mes cotisations. La réponse est claire. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Alors, 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération 81. Mes chers collègues, cette délibération, j'associe mon collègue Jean-Luc Séchet à ce travail, car nous avons mené ce travail ensemble. Je sais qu'il ne manquera pas de compléter mes propos ensuite. Donc, par cette délibération, il s'agit d'approuver le règlement intérieur du dispositif d'accompagnement des initiatives citoyennes. Ce dispositif fait suite à la délibération cadre du 29 septembre 2017 relative à la vie des quartiers et initiatives citoyennes. Ce dispositif d'accompagnement des initiatives citoyennes, qu'est-ce que c'est ? C'est un soutien aux projets portés par des habitants de Saint-Nazaire, hors association ou entreprise, en lien avec 3 thématiques, le développement durable, l'animation des quartiers et les solidarités de proximité. Ce dispositif a pour objectif de favoriser les prises d'initiatives des citoyens pour permettre à tous d'être acteurs de sa ville, de renforcer le pouvoir d'agir des habitants, de promouvoir les valeurs de la République, de créer des liens entre les habitants et les acteurs locaux et d'offrir un accompagnement aux habitants porteurs de projets. Comment fonctionnera ce dispositif ? Les Nazériens pourront faire connaître leurs projets via un formulaire sur le site internet de la ville ou à l'accueil de l'hôtel de ville, des mairies annexes et également de l'espace civique. La ville de Saint-Nazaire proposera alors un accompagnement technique, définition et instruction du projet et un accompagnement financier si nécessaire, la ville se dotant d'un fonds de participation des habitants dédié à ce dispositif à hauteur de 1 000 euros maximum par projet, l'État pouvant participer financièrement au projet sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Enfin, une commission des projets sera créée, composée des 2 adjoints en charge du suivi du dispositif, des membres des conseils citoyens de quartier, ainsi que la déléguée de la préfète. Cette commission examinera chaque projet, elle les soumettra alors au conseil municipal, en cas de demande de financement. Mes chers collègues, si vous approuvez cette délibération, ce dispositif se mettra en action à compter de septembre prochain. Je vous demande donc de bien vouloir approuver ce règlement intérieur, de m'autoriser ainsi que Jean-Luc Séchet à siéger à la commission des projets, d'autoriser à faire une demande de subvention auprès de l'État pour les projets concernant les quartiers prioritaires et autoriser à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Il y a des demandes de prise de parole, Monsieur Séchet ? Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération m'invite également à évoquer la récente fête des voisins qui s'est déroulée le vendredi 25 mai dernier à Saint-Nazaire. En effet, la délibération cadre du 29 septembre 2017, qui vient d'être évoquée par Céline Girard, est relative à la vie des quartiers et aux initiatives citoyennes, a fixé donc 4 orientations, dont l'animation de la vie locale. Et cette délibération nous a poussé, Céline Girard et moi-même, à adhérer au nom de la ville de Saint-Nazaire à l'association Immeuble en Fête, qui porte la fête des voisins au niveau national et même aujourd'hui européen. Il s'agissait donc de proposer à celles et ceux qui le souhaitaient d'organiser ce temps de convivialité dans leur quartier, leur rue ou leur immeuble.
donc de permettre à chacune et à chacun d'être acteur de la vie et de l'animation de son quartier pour cette soirée. La ville de Saint-Nazaire, grâce aux chargés de mission des conseils citoyens de quartier et initiatives citoyennes, a distribué aux 54 nazériennes et nazériens porteurs de ces actions dans leur quartier différents kits d'organisation avec des affiches, des cartons d'invitation, des ballons, des gobelets, des nappes. Un arrêté municipal de réglementation générale a d'ailleurs été pris à cette occasion pour une tolérance d'occupation de l'espace public pour les fêtes qui le nécessitaient. 54 organisateurs d'un jour et près de 1500 convives répartis sur l'ensemble des quartiers de notre ville. Un véritable succès pour cette première édition qui témoigne de l'envie des nazériennes et nazériens d'être à l'initiative d'actions locales pour et avec les autres habitants. On ne peut donc qu'être optimiste dans l'accueil qui sera réservé au dispositif d'accompagnement des initiatives citoyennes présentées dans cette délibération et dont les habitants sauront s'emparer pour proposer et conduire des actions de proximité avec le soutien technique et, le cas échéant, financier de la ville. Quant à la fête des voisins, j'y reviens à Saint-Nazaire, suite au retour unanime des 54 habitants organisateurs nazériens que nous avons tous recontactés, eh bien, leur retour a été excessivement positif et donc il va de soi qu'elle sera reconduite l'année prochaine. Ce sera le vendredi 24 mai d'ailleurs avec l'aide de la ville de Saint-Nazaire. Voilà, je souhaitais apporter ce complément à cette délibération. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie. Alors, sur ce règlement intérieur, est-ce qu'il appelle des commentaires, des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Il est à 82. Oui, la 82. Il s'agit d'un avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire Association. L'avenant qui est ici proposé à la convention en cours vise à intégrer parmi les actions de Saint-Nazaire Association soutenues par la ville l'animation et l'accompagnement du Conseil nazérien du commerce équitable. Le montant de la subvention complémentaire pour l'année 2018 au titre de cette action est proposé à hauteur de 6 500 euros. Alors, cette convention pluriannuelle, 6 500 euros, des avis contraires, des abstentions, unanimité. Merci. Monsieur Séché, les élections. Vous imaginez la responsabilité que vous avez. J'en suis conscient, surtout à la 83e délibération de ce conseil municipal. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit ici de donner un avis en vue de la modification de la carte électorale et la création de 3 bureaux de vote supplémentaires à Saint-Nazaire. La ville de Saint-Nazaire compte actuellement 47 bureaux de vote et bientôt 50 000 électeurs, soit plus de 2 200 électeurs supplémentaires depuis 2014. Donc, actuellement, certains bureaux de vote dépassent ou sont en voie de dépasser 1200, voire 1300 électeurs inscrits. Ce nombre peut donc rendre difficile le bon déroulement des opérations de vote. Aussi, dans le souci d'améliorer les opérations de vote et d'assurer davantage de fluidité dans les bureaux les plus en tension, nous proposons la création de 3 bureaux supplémentaires. Un dans le périmètre de l'école Carnot, un dans celui de l'école Jules Simon et un dans le périmètre de l'école Chateaubriand. La situation est en effet tendue dans la majorité des bureaux de ces 3 périmètres scolaires. Ces 3 bureaux supplémentaires permettront donc de retrouver une situation plus confortable pour les scrutins à venir en limitant le temps d'attente des électeurs. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, de m'autoriser à transmettre ces propositions de création de 3 bureaux de vote supplémentaires et le redécoupage associé au niveau de ces 3 secteurs impactés à monsieur le préfet de Loire-Atlantique pour validation. Le but étant une prise d'effet au 1er mars 2019 en vue des élections européennes du 26 mai 2019. Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. Merci, monsieur Séché, et du travail réalisé. Vous avez bien compris qu'en fait, et certains d'entre vous, et moi-même ayant fait la tournée des bureaux aux différentes élections, vous vous rappelez de ce temps d'attente, de ces queues assez longues d'hommes et de femmes qui souhaitaient aller voter. Mais je le dis dès maintenant pour que chacun, et notamment chacun d'entre vous,
Ayez bien ça en tête. De 47, nous allons passer à 50 bureaux, 50 présidents, 50 secrétaires et un certain nombre d'assesseurs. Les prochaines échéances seront des échéances européennes au mois de mai. Nous connaissons bien la difficulté du printemps qui arrive. Je demande à l'ensemble de celles et ceux se situant dans les structures politiques d'avoir bien ça en tête. Je dois vous avouer que je suis un peu moins inquiet pour les élections municipales, parce que quand on est au moins candidat sur une liste, c'est 49 noms, j'imagine que l'ensemble des groupes, l'ensemble des têtes de liste pourront présenter, bien évidemment, 49 noms. Voilà, donc la démocratie a un prix et il faut de temps en temps le rappeler. Sur cette délibération, y a-t-il des commentaires ? Des avis contraires, des abstentions, unanimité. Nous allons considérer que nous sommes à huis clos dans ce conseil municipal, sauf s'il y avait des demandes de prise de parole sur la délibération numéro 85, et je ferai du coup évacuer la salle, il n'y en a pas. La délibération 85 est donc aux voix, des avis contraires, des abstentions, unanimité. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter, à vous toutes et à vous tous, un très bel été. Eh ben putain.